pas. Putain, du coup, ça m'a un peu énervé. Hein. Mais je me suis mis à votre niveau, non, quoi. Pas du tout. Vas-y, le cap, je te fais pas quand même. Non. Et... Non. Et... Arrête, on discute avec mon père. Arrête. Taille. No way. Quoi? Oh. Non. Non. Non mais monsieur, voyez le côté positif. Voilà, vous êtes en bonne santé, non. Et vous n'avez rien arrivé. Voilà. No. Non mais, taille ta gueule. Je fais ce que je veux, infirmier, sous-infirmier là. No way. Non mais tu parles à un patient là quand même. Mais c'est lui, c'est un gamin, no way. Ça t'a fait patient. No. Il vient de subir un traumatisme, t'en as jamais eu toi. Bah du coup comme vous voulez, y a peut-être un autre médecin. Oh, moi je me suis, c'est bon. Madame, je voulais vous appeler sur pas avec un autre médecin compétent. Ouais. Là-bas. Je vends un... Mais bah dis-toi, c'est bon. Voilà, il est... Ah ouais, très compétent. Ouais, pardon, j'ai touché. Bah oui, il est compétent, oui, c'est le chef, en plus il est en... Et du coup, vous allez m'emmerder parce que j'ai balancé un flair. Hein. Non, je vous dis juste de pas le refaire. Ça fait quoi si je le refais, hein? Bah, attention, peut-être ouais, 10 000 dollars d'amende et Non, non, 10 000 dollars... Peut-être 15 000 là, maintenant. Ah oh, bah my god, je vais avoir 15 000 pour balancer un flair, on me plante ces 10 000 là. De ouf, hein. Je vais vous amender pour des flairs. Ah d'accord, bon bah ça va alors. Hein. Et d'ailleurs, t'as... Par contre, t'es peut-être pas devant moi, là. Merde, un Nico, hein. Allez, bouge pas. Y'a quelqu'un qui est en service, hein. Oui, y'a moi. Ah d'accord, nickel. Juste sûr que ça l'a. Si t'as besoin de restock, j'ai des trucs. D'accord, y'a pas de soucis. Faut lui faire plus vite sûr. Non, surtout pas. Je sais pas, je suis plus en service, j'ai oublié toute la médecine. Hein. Attends, c'est moi, je rêve ou j'ai entendu son chat et j'ai fini de s'enfiler. Bah, enfiler une attelle. Ah, ok, d'accord. Vous êtes pas bien. Damien, faut que je t'annonce un truc. Hein. Oui. Damien, faut que tu baises, hein. Là ça déborde, là t'en peux plus. Hein. Vraiment, faut que t'y ailles. Hein. Vraiment, des putes, hein, ou je sais pas quoi. Attends, bouge pas. Comment ça se fait que t'es tout nu dans le... Damien, oui. Tiens, avec ça tu vas au unicorn. C'est 400 balles, tu fais ce que tu veux. Eh bah merci, c'est gentil. J'ai pas compris là. Ne cherche pas, ne comprends pas. Non, il est déjà assez excité comme ça. Je sais pas, ça parle de prendre qui. Putain, ça y est, on sait. Oui, bah c'est ça, bah voilà, ça, c'est déjà tout. Quelqu'un peut arroser Damien, s'il vous plaît, il a besoin de d'évacuer là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Damien? Oh non, tout va bien. T'es pas censé te choquer, ce genre de choses. J'ai pas compris, Anna. C'est pas grave, c'est pas grave. Non. Très joli protocole escargot. Et n'oublions pas que les escargots sont hermaphrodites. Bisous. Pourquoi ça parle que de cul ce soir? Je sais pas, c'est quand il a la mienne, excuse-nous, ça me lance des débats. Bah vas-y, hein, date sur ça. Toujours pas. Attends, dès qu'il y a ta manière à la radio, il y a une de ces tensions sexuelles, hein, c'est fou. Hein. Bah, allez. Moi j'appelle le sexapile, ça, de Kyle. Merde. Ouais. T'as tellement de sex appeal que t'es à batterie. Hein. Bon, allez. Pardon. Ah bah super, oui, je veux bien. Salut. Salut, hein. Salut. Ça va bien? Bien, toi? Et oui, bienvenue au U. Oh merde, hein. Je me casse. Hein. Et elle est plus forte que moi. Ah ouais. Elle arrive bien, hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Et pourtant, moi, je m'entraîne tous les jours. Hein. Tous les jours devant la glace, ça te fait Je fais UU. Ah ouais. J'ai mis des frissons, c'était compliqué. UU. Bonne soirée. Je suis au max. Hein. Oh oui. Genre, vraiment, faut que ça vienne. Faut contracter vraiment les tuyaux, genre. Les tuyaux? Ouais, les tuyaux de la voix, tu vois. Je contracterai du tout. Hein. Les tuyaux, contracter les tuyaux de la voix. Il faut contracter les tuyaux de la voix, genre. Ouh. Oh merde, hein. Bien comme ça.
Ah, oh, j'ai dit que je suis mort. Non, c'est dégueu. Ouais, c'est compliqué. Non. Oui. Pas dégueu normalement. Oui. Oui, bah, on a le même salaire, toi et moi. Non, t'es payé plus. Ah oui. Moi je suis payé plus. Non, il est monté médecin. Oh my god. Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Kyle. Qui m'a... Kyle. Kyle, ça va? Je me suis planté à 130 km/h contre un arbre. Déjà, il y a des mecs en voiture qui arrivent en disant « Doc, tu aurais pas un peu de pommade ?» Ah, attendez, il y a pas la suite. Kyle, reste par terre. Déjà, ça va pas ma mode comme ça, en vrai. Attendez, je raconte la suite, ça va être encore fabuleux. Bon, déjà, j'ai fait, non mais nique ta mère, tu vois bien que je viens de me planter, j'ai autre chose à foutre. Et bon, déjà, il l'a mal pris. Et là, il y a Mathieu qui arrive parce que j'ai demandé la deuxième intervention. Il arrive, ouais. le mec, il arrête Mathieu. Mathieu, il s'arrête, il le soigne, il se rebarre en me laissant là comme une merde. C'est ça qui, à partir de quel point le manque de respect, il est là. Anna. Oh merde. Mais Kyle. Ah. Tu vas te... Ouais, oui. J'ai pas touché. J'ai bien touché. J'ai pas touché. Bah tu contrôles pas encore ton véhicule. Ça va te dire. Ça va? Kyle, je vais t'enculer! Mais c'est pas lui là, c'est pas lui hein! C'était dit, il m'a enculé, après je t'enculais hein! Oui, là, ça fait la deuxième fois que tu m'encules! Non, mais c'est pas lui là! Alors la première c'était tout à fait lui, mais la deuxième c'était voilà. Pas lui hein! Bah voilà, donc la première c'était déjà lui! Non, mais la deuxième c'est pas lui! Comme ça je te suis, merde! Vas-y, essaye de me suivre! Gros nul hein! T'es quand même vite tente hein! Ah de Dieu! Et salut. Bon. Bah tout est dans le titre, hein.
Là, on m'entend. Putain, génial, j'adore. Je monte ou je descends? Là, je descends. Putain, mais voilà. Je vous réponds et tout dans le vide. Là, j'ai fait toute la présentation du groupe et tout. Bah, niquez-vous. Niquez-vous. J'en suis le plus éclaté du monde. Non, c'est pas Johnny Thunder, c'est juste un punk. Et t'es mal à crête. Ça, mon cache map. Oui, c'est votre faute. Et mon cache map, pour l'instant, ça va, ça cache un peu, et puis je m'en bats un peu les couilles. Et voilà, c'est tout. J'ai répondu à tout. Du coup, pour ceux qui sont pas suivi le truc, on est les Misfit Brothers. Du coup, on va lancer un MC anarchiste en ville. Bon, là pour l'instant, on a une vieille Punto éclatée et tout. Mais ça va se faire. Il va falloir qu'on fasse notre petit chemin en ville et qu'on voit comment faire. J'ai déjà passé mon permis. Au moins, ça sera fait. Enfin, commencer tout seul, par contre, ça va être compliqué. À ce qui paraît, le permis est super long. En vrai, est-ce que je me fais chier à passer le permis ou pas? C'est drôle, non? Vas-y, on s'en branle, on est punk, je suis un connard. C'est quoi ça? Premium Deluxe Motorsport, on va voir, on peut s'acheter une moto. Avec 900$. Hein. Hop là. Voilà, dans 40 000. Que visuel est esthétique. Et full perf. Ah, oh, moi je suis laisse monsieur. Bonsoir. 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 C'est, non, c'est le côté, le côté, le côté. Le côté. Merde, le côté. Ouais, pardon. Ouais. Côté, y'a pas de mal. Jolie coupe. Ouais, merci, ouais. Allez, on vogue, là, je sais pas comment. De la bière et de la farine. Il faut qu'on aille au gouvernement. N'oubliez pas qu'il faut payer. N'oubliez pas que vous deux, vous devez chacun payer 2000 ou. Quelqu'un doit payer 2000 ou l'autre 3000, je sais plus, hein, pour les papiers, tout ça, tout ça. Voilà. Ah bon, oui. On peut bah oui, ouais, c'est ça. Ouais, on là-bas. Fais là-bas. Allez, c'est allez. Oh. Du coup, lui, en fait, ah, tu vois, il vient ici, il, hop, hop, il vend. Bah oui, bah après, c'est. Enfin, tu vois, genre 30 000 full, 39 000 nouvelles ici. Donc en soi, oui, c'est une affaire. Hein. Bah putain, et pourquoi y a pas de moto? Parce que c'est pas ici. Mais putain, c'est où les motos? Motos. Autos. Ouais, c'est plus vers le nord. Ça. Ouais, autos. Ouais. Ok, ouais. Merci, ouais, salut, ouais. De rien, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bon, déjà, il y a un Père Noël Clodo, ça veut dire que c'est quand même vachement prometteur comme serve quand même. Moi, je trouve que ça pose des basses scènes, je trouve. Ouais, va falloir que je. En fait, c'est que petit à petit, la voix de chat, je l'ai prise avec l'accent beauf. Et bah, là, j'essaie d'enlever le cheveu sur langue pour reprendre la voix beauf, quoi. Mais enfin, mine de rien, la voix punk, je la vois pas autrement. Pfff, voilà, l'enfer. J'aime pas les voitures. Mais il va y avoir un petit moment, le temps que je trouve un peu la voix finale du perso, clairement. Ça va être compliqué.
Même la voix de Chad, mine de rien, depuis le début. Elle a bien évolué. Hein. Putain, attends, c'est pas Vargas ça? Attendez, comment il s'appelle? Passons. J'ai oublié son nom RP. Ah! Jean-Paul. Moto. Trop cher, trop cher, trop cher. Je crois que c'était la rat bike. Est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte hein? Ouais, salut, ouais. Bonsoir. T'es vendeur? Non. Et t'es quoi? Je suis quelqu'un qui est venu comme ça parler avec mon ami. Mais mon ami va bientôt vous recevoir. Il est avec un client. Ouais. Dis, je viens d'arriver en ville. Là. Tu saurais pas ce qu'il y a un peu à faire, comment se faire un peu de faire un peu de thune là, parce que j'ai vu une moto, mais genre, je suis sûr, ce que connard facho, il va pas vouloir bien vendre là, tu vois. Pour faire de l'argent, bah, vous allez travailler. Vous allez travailler, vous pouvez aller au Go Postal. Ouais. Faire éboueur. Ou si vous rejoignez une entreprise. J'ai de gueule à être un putain de capitaliste à faire de l'entreprise. Ah bah c'est le seul moyen de gagner de l'argent, monsieur. Oh putain. Y'a pas genre y'a quoi à faire en ville, tu connais un peu ou pas du tout ouais. Pour faire de l'argent. Non mais je sais pas y a genre les armes c'est en vente libre ou y'a un truc comme ça ici. Vous pouvez acheter tout ce qui est couteau, batte et tout en vente libre. Mais par contre pour acheter un pistolet vous avez besoin d'un PPA. Bah nickel ouais, des battes ouais, j'adore les battes ouais. Bah vous allez à l'armurerie. Ils vous en vendent. La burie. Et la burie. Putain, elle est où la burie, ouais. Le qui m'a dit quel, ouais. Mais putain, mais c'est un pote, ça. Hé hey hey wow. Hé hey. Ouais, hey du beau, toi. Hé, hey, le pal. Hé, hey, Nonu. Wow, wow. Attends, hey, je vais toucher. Je vais toucher. Vas-y, wow, douche. Vas-y, douche. Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. C'est super doux. Ouais, t'as vu, ouais. Wow, t'es trop stylé, toi. Elle fait quoi, là? Ben, j'ai acheté une moto, moi. T'as assez de l'argent pour acheter une moto, toi? Ben oui, j'ai travaillé hier. Travaillé? Bah, j'ai travaillé, j'ai pu j'ai arnaqué quelqu'un, mais ça, faut pas le dire, ok. Arnaqué, mais t'as fait comment, ouais? Ben, il avait deux tournées, je vidais les poches, c'est tout. Ouais, genre là, les deux tournées, on lui vide les poches. Ouais. Tu me fais passer à quelqu'un. Ah merde, j'ai plus de tournées, mais. T'as dit toi. Hey, t'as besoin de thunes pour une moto, toi aussi. T'aurais pas 1000 balles à dépanner ou 1200 balles environ, ouais. Ouais, j'ai 1800 balles à dépanner. Ouais, nickel. D'accord, je t'ai pas venu. Ouais, paye-moi une red bike, quoi, s'il te plaît, ouais. T'as besoin de combien C'est quoi ton petit nom, d'ailleurs? Un petit nom? Mais ton petit nom?
Moi c'est Tipol. Bah ouais, c'est Nata. Nata? Bah ouais, on va lui parler à l'extérieur après si tu veux. Mais ouais. Je te donne combien de balles? Attends, combien j'ai? Attends, Zido, ouais. Et toi là, t'as l'air d'avoir de la thune, t'as pas 1000 balles? Ah, malheureusement, pas sur moi. Attends, t'as un manteau de princesse et tu vas faire mais genre. Ah, mais j'ai. T'as pas 1000 balles quoi, tu veux pas dépanner des copains quoi? Ah, malheureusement, je les ai pas sur moi comme je vous l'ai dit. T'es genre de connard, mais tout à boc. Tenez, monsieur, non. Vos clés. Tu mets ça où, ouais? Hein? Bah, de rien. Tu mets ça où alors, ouais? La carte grise est dans le coffre. Tu prends pour un con, ouais? Et sachez que la tenue ne veut pas dire que j'ai de l'argent. Ça veut dire que tu vas être un putain de bourgeois, mais que t'as pas l'habitude pour être un putain de bourgeois, ouais? C'est un bourgeois, ouais, t'as vu comment il est habillé? Il est habillé. Il a un manteau long, là! Manteau long de connard, là! Toi, tu sers d'école de commerce, toi! Ah, oh, pas du tout, monsieur. Ouais. Oh, ça sent le plastique. Ça sent ouais. Ouais, ouais, ça sent la voiture neuve, ça, ouais. Non, monsieur. Regarde, moi, je sens... Ouais, salut, moi aussi, je veux une moto, ouais. Laquelle? Il va me payer une ride bike, ouais. Mais oui. Attends, j'ai 1000 balles. Ouais, j'ai besoin de 1000 balles. J'ai 950 balles, ouais. Ouais, c'est à moi, ouais. C'est à moi. Ah merde, j'ai. C'est bon. Eh, y a besoin de négocier 45$ sur une ride bike. Alors. Pour 45$ bah, allez, viens, monsieur. Eh, putain. Bah, merci, c'est la crise, ouais, en ce moment. La crise va être assurée, non, c'est pas bon. Voilà. Merci, ouais. N'hésite pas à faire une donation aussi à moi, ouais, c'est pour nos potes bah, du squat et tout, moi, ouais. Monsieur. C'est moi qui te suivre. Bah, alors celui qui l'achète, oui. Mais je t'emmerde, c'est de la farine et de la bière, putain. Ouais. Ouais, c'est pour moi, ouais, je vais à Red Bike, ouais. La plus belle. Elle s'appellera Jessica. Bah merci, ouais. Faudra juste la signer. Ouais, c'est bon, c'est signé, ouais. Tenez, le TPE. Et je paye le liquide, ouais. Ah, faut que j'ajoute, ok. Il faut vous l'ajouter. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Ouais. Faut que tu la donnes? Non, juste me la montrer. Comment je fais pour te la montrer? Juste au-dessus de votre carte d'identité, vous avez trois petits points. Ah ouais, merci, ouais. Voilà. C'est bon, tu l'as? Oui, c'est bon. Ah ouais. Tenez, je vous la redonne. Ouais, merci, ouais. Ce sera un véhicule personnel? Ouais. J'arrive, je vais vous chercher ça. Salut, ouais. Bonsoir. T'es fait acheter ta moto? Ouais, c'est bon, ouais, je vais avoir ma moto, ouais. Ouais, c'est bon, ça, c'est cool. Ouais, c'est bon, on commence. Donc, ça commence. C'est le début du succès. Ouais. D'abord, plan 1, j'ai ma moto. Plan 2, renverse le capitalisme. Oh mais moi aussi, je vais participer. Bah ouais, t'inquiète. Oui, j'ai déjà ma moto en plus. Bah ouais, t'inquiète, vas-y, on va parler. Ouais. Et vous, c'est quoi vos noms là? Ghost. Ghost? Et le cowboy? On se connaît? Non, je te bosse de votre vaudois. Mmh. Et yo, on demande pas quelque chose non plus de très privé. Excuse-moi. Les motos. Bah, en tout cas, une. Pardon? J'ai une moto, s'il vous plaît. Allez, bouge ta moto, ouais. La gargole.
Ah bah non, c'est pas toi. Les deux en fait, il faut. Ah bah bah. Wow, t'as acheté la même moto que moi. Bah ouais. Ah ouais, ça fait trop bien. Est-ce que t'es pas croisé en manif, toi? Tiens, je peux. Mais toi, tu me dis quelque chose. Est-ce que quelqu'un qui m'a parlé de toi, je pense. Ouais, c'est Dator, ouais. Ben, si... je sais plus si c'est toi le bon Nathan, mais Elsa qui m'a dit de te parler. Qui ça? Je suis venu... Elsa. Elsa. Oui, Elsa. 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 Oui, ben c'est non, là, j'arrive pas à le prononcer. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde. Ah, Elsa, ouais, ouais, tu dis me parler ouais, pourquoi, ouais. Ben, on était ensemble à Liverpool, puis ben on s'est suivi pour venir ici, puis il me dit que vous seriez très sympa, fait que je voulais vous rencontrer, puis tout ça. Putain, mec, attends, j'ai besoin de boire, ça va être. Ah, là, c'est bon. Moi aussi. Ouais, là, c'est bon, j'ai réussi, ouais. Mais pourquoi tu m'as montré une bouteille d'eau? Moi, je me. Parce que j'essayais de boire. Mais ferme ta gueule, j'essayais de boire. Toi, ferme ta gueule. Il y a que mon père qui me parle. Ah non, tu parles autrement, mais tu peux avoir une bouteille d'eau, ouais. T'as une bouteille d'eau de facho en plus. Pourquoi elle reste collée à ma main là? Oh, pardon. Pourquoi tu frappes? Toi. Arrête de me casser les couilles, ouais, putain. Putain. Ah, elle est collée. Elle est collée! Comme ça, là, Nathan, je t'inviterai pas à ma fête! Quelle fête, ouais! Mon anniversaire! Qu'est-ce que j'aurais à foutre de ton anniversaire? Merde! Bon, qu'est-ce qu'on fait, yo? Attends! Il y a des problèmes de. Attends, c'est la crise, là! Hey! Attends! Attends! Ah, je pensais que tu t'en allais, j'avais pas. Non, j'ai un problème! Je me tout seul, moi! J'ai un problème! Attends! D'accord! Tu vois, il y a des roulettes des fois au milieu. Des roulettes? Des roulettes! Des trottinettes sur ta moto? Mais non, il y a une roulette! Ta gueule! Ah, c'est beau, ouais! Ok, mais c'est ça, c'est Alicia qui m'a dit de contacter. Attends, c'est toi le. Ouais? Attends, je vais arriver, puis si c'est toi, tu décroches. Non, bah. Sinon, c'est pas toi. Mais merci, Einstein. Nathan Johnson, je crois. Je l'appelle là, en ce moment. Je sais pas ce que ça fait. Mais... Oh, mais c'est toi! Allô! Ouais! Allô! Ouais, bah c'est moi, ouais! Ouais, mais comment j'en raccroche? Ouais, là, comment on raccroche? Ah, c'est bon, j'ai raccroché. Ah, mais putain! Ah, mais c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Ok. Bah, tu veux faire quoi? Je voulais faire des trucs drôles ou peut-être aller chercher à manger ou quelque chose. Ouais, faut déjà qu'on cherche à manger. Et Ah ouais, ok, je veux, ouais. Attends, je peux te dépanner, j'ai acheté des petits hot dogs. Pardon? Attends. Burger Shot, si vous voulez, ça nourrit super bien. Ah ouais, bah on va aller au Burger Shot, mais faut qu'on va pour gagner de la thune de manière pas capitaliste d'abord. Ouais. Bah attends, pour te dépanner, déjà je vais te donner un hot dog. Bah de rien. Bon, ça fait 2-3 jours qu'il est dans ma poche, mais je vais t'en aller quand même. Bonne soirée. Vas-y, fais péter, ouais. Ça marche. Ça a marché ou pas? Ah ouais, merci, ouais. Ok. Bon ben, attends, Burger Shot. J'ai pas d'argent, moi. T'as de la thune? Il me reste $8. On va acheter à manger si tu veux. Il te reste combien? $800. Allez, on va acheter à manger, mais j'ai peur. C'est bon, t'as su. Ouais. Wow. Wow, il est trop cool, ton casque. Oh, putain. Ouais, il est trop cool. Ça, c'est la classe. Attends, on m'appelle. C'est quoi ça? Allô? Allô? Attends. Allô? Et Nathan. Ouais, t'es qui? Nathan, que je suis qui? C'est Cotter. Oh putain, ça va? Et ça va et toi? Ouais, ça va, ouais. Eh, ok. Et tu fais quoi là? Du coup, j'ai eu ton message, tu sais, les appels, là, tout ça, tu vois. Ouais, vas-y, viens, on va au Burger Shot, ouais, pour prendre à manger, ouais. Ouais, ça marche, bon, je suis là-bas. Vas-y, ouais. À tout. Bah, y'a. Y'a Gunther qui va nous rejoindre, ouais. Y'a un pote qui va nous rejoindre, ouais. Putain, mais attends, je comprends pas.
Tu vas quand même pas mettre ton clignotant pour tourner à droite quand même. Mais je t'emmerde, je tourne pas à droite, ouais. Les clignotants, c'est pour la droite. Ah, toi, t'es la gare? Ok, ben je vais la garer aussi. Bah, ouais, je sais pas, ouais, je t'ai. C'est pas pour les gens d'extrême droite, moi j'ai. C'est pour les fachos! Dis pas extrême droite, dis facho, ouais! Les fachos! Facho, c'est plus simple! Attends, c'est où, vache? Ah, vert! Oui. Coucou! Toi, t'es le genre de connard qui dit aussi que Calice, c'est ouvert, non? Oui, c'est Calice, mais ouvert! Ah, Calice! Salut, Ray! File-moi à manger! Ah, mais pas toi, il cause pas trop lui, hein! Arrête, enculé! Mais il a rien dans son. Ah, il faut commander à lui en premier, mais. Ah, ouais, putain, non, mais... c'est la misère! Vas-y, ouais, t'as pas genre. Genre 300$, un truc comme ça! Bah, attends, bah. Ok, bah, attends, je te pêche 300$, mais. Mais il faut une main. Moi je vais être obligé de briser mon cochon. Bon ben. Mais mec, qu'est-ce que putain de cochon, ouais. Mais non, mais ça fait longtemps que j'ai dit mon cochon. Mais tiens. Hein? Ah, attends, faut que je me rapproche de toi, je pense. Ouais, vas-y, ouais. Faut qu'on se colle. Ouais, colle-moi, ouais. Ouais, ouais, tu vas te calmer, hein, par contre. Parce que moi je fais pas des trucs comme ça, hein. Moi, ouais. Mon papa, il m'a dit monte jamais dans les camions de passer. Ouais. Ouais, c'est le Gunther, c'est vrai. Putain, ça fait longtemps, mon frère! Oh! Capitaine! Hier, ce que j'ai ramassé, là. Il est beau! Waouh! Si tu as trouvé ta casquette! Eh, hey, capitaine, bon, on t'entend pas, ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais, là, c'est beau, là. Ah non, t'entends, là, c'est bien. Putain, ça fait plaisir de vous voir, les gars. Ouais! Bah, les gars, moi, je te connais pas, mais. Ouais, regarde ce que j'ai ramassé sur la route! Lui aussi, ah il me non, dit qu'il. Moi, c'est Tipol! Bah, c'est. On dirait un chewing-gum. Ouais. J'ai un beau chewing-gum quand même. Un chewing-gum en pas plus mouche. Il est tout le temps joyeux. C'est abusé. Mais il m'a payé une moto. Il m'a dépanné. Oui, puis j'ai dépanné aussi pour de la nourriture. Ouais, il m'a dépanné pour de la nourriture maintenant. Toi aussi, tu veux quelque chose? Eh ben, je veux bien une moto. Ouais. Ben, là, j'ai, il me reste 500$ pour une moto. Il reste plus grand-chose. Ah, putain. Mais j'ai vu ma super voiture. Ouais. Il y a un flic qui m'a dit ouais l'abîmez pas, faut mettre la ceinture tout ça. Je fais t'inquiète, j'ai arraché les deux portes, j'ai fait qu'est-ce que tu vas faire? Bien fait ouais. Connard. Ouais. Connard. Connard. Attends. Attention, il m'a déjà escroqué lui tout à l'heure. Bah vas-y, achète-lui de la bouffe et à boire, mais vas-y. Il m'a ruiné, j'ai 20$. Ah ouais, tu as dit combien? Moi, bah, je vais acheter 3 canettes et 5 cheeseburgers. Et ça nourrit? Mais du coup, t'as besoin de manger ou t'as pas besoin de manger? Si, non, mais t'as besoin, mais t'as. Putain, c'est compliqué, hein. Bah, ça va être compliqué là si j'ai pas de. Mais là, il me reste juste 200$ maintenant. Il me reste plus rien du tout. Si tu veux un ordre quitté, j'avais un hot dog, c'est un quart. Bah, t'es à poil rassasié, quoi. Ouais, putain, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Et vous commencez à faire les poubelles, peut-être, les gars. Je sais pas ce qu'il y a. Peut-être que derrière là, dans les poubelles, ils ont un truc, hein. Ouais, il y aura peut-être un opossum mort qu'on pourra faire cuire. Peut-être. Et c'est ça. C'est bon, l'opossum? Ouais, ça va, ouais. Eh, vas-y, partage, ouais. Fais pas ton putain de facho, ouais. Vas-y, donne. Et tiens, ok. Attends. Ouais, j'ai besoin de bouffer.
Ah mais attendez, j'ai une pomme. Mais une pomme, c'est rien. Par contre, je sais pas comment... Attends, viens, Nathan. Je pense que c'est Nathan. Parce que sinon, je sais pas à qui je donne, en fait. Tu donnes à Boël? C'est comme... Ouais. Attends... Et je t'ai donné non, je sais, mais... un burger, Nathan. Merci, ouais. Pourquoi? Mais pourquoi ça fonctionne pas? Si, c'est bon, j'ai, ouais. Ok, et tu veux une canette de Coca-Cola? Ouais, je veux bien à boire, ouais. Ok. Surtout à boire. Attends, normal. Ouais, merci, c'est bon. Ouais. Puis une bouteille d'eau, t'es-tu correct? Vas-y, on va voir, on va voir, on va voir. Ok, ok. Tu sais, je connais pas attends, trop mon corps. Attends, ouais. Je vais t'aider. Eh, ouais, oh, quoi, pardon, ouais. Elle me coûte une blinde. Ouais. Mais tu recapitalises de merde. Ça va péter. Un tir de merde derrière, là, nickel. Oh putain, tu fais la... Bah putain. Ouais. Si t'as besoin d'aller quelque part, on dépose en moto, hein. Et t'es... Ah non, j'ai une super voiture, là, décapotable. J'ai trop recroisé les flics exprès. Et Jean-Paul... Ouais. Il t'a dit... Il t'a dit quoi, Elsa, du coup? Il t'a dit à propos... Il t'a parlé du MC qu'on est en train de monter? Oui. Oui, c'est pour ça que je suis ici, moi. J'ai envie de faire ça, moi. Moi, je emmerde tout le monde. Ouais. En plus, tout le monde me considère comme une petite affaire, puis je sais pas, ils me traitent pas comme faux. Ouais. Mais j'aimerais ça aussi retrouver mon père qui est ici en ville. Je pense qu'il est ici, mais je sais pas où il est. Elsa? Ben non, Elsa, je sais où il est. Il est en ce moment, il dort dans une benne ordure, parce que bon, il a niqué toute la soirée. Mais c'est mon père que j'essaie de retrouver aussi. J'essaie de trouver qui? Il a niqué quoi? Il a niqué les fachos. De qui ça? Je sais pas, tu dis, il a niqué toute la nuit. Mais oui, mais il a niqué toute la nuit, je sais pas moi. Moi, je j'ai pas voulu écouter, moi j'aime pas ça. Putain, mais il est vraiment con. Alors, c'est pas Chad, et t'as loupé la présentation, ouais, bah en fait, c'est que je l'ai faite, mais il y avait pas le micro. Du coup, c'est... Ouais. Puis juste moi? Puis juste Tipol? Du coup, on va. C'est un MC anarchiste, du coup, qu'on est en train de monter les Misfits Brothers. Il m'a envoyé. Donc, pour l'instant, on a tous des salles des gains, et plus tard, on aura tous ces cuirs et tout ça. Il me dit bah, tu vas voir, je vais te faire rencontrer Nathan, puis. Anya. Ouais, Anya, ouais. Ouais, c'est une pote, ouais. Anya, puis. Ouais, Anya, ouais. Anya! Il va les rencontrer, puis ils vont t'expliquer c'est quoi ta nouvelle vie. C'est ça qu'il m'a dit. Ouais! Ouais! Ouais, c'est ça. Ce que je vous propose, on essaye de trouver de l'argent. Eh, j'espère que sur ta crête, c'est pas du fixation béton industriel, là. Moi, je peux peut-être essayer de faire le C'est de la bière de la farine, ouais. Quoi? Ah ouais, c'est bio, ça. Tu veux quoi? Moi, je peux peut-être essayer de faire les yeux doux pour avoir de l'argent. Les yeux doux, tu vois. Tu veux faire la bosse aux EMS? On l'envoie sur le trottoir. On l'envoie sur le trottoir. Ouais. T'as pas sans généreux. Mais oui, peut-être. Je sais pas. Faire de la cause, peut-être. Putain, ouais, mais... un donateur généreux. Vas-y, je vais peut-être lui demander, je casse la gueule, sinon, elle dure. Tu veux faire, bonne l'arzo aux EMS? Oui, oui, je pourrais... Attends, je pourrais même... Je pourrais même... Ben, si j'y vais comme ça, je pense qu'ils vont se dire, ben lui, il vient du bidonville, hein, peut-être. Ouais, vas-y, ouais. T'essaies d'abonner ces connards de bourgeois pour qu'ils te donnent de l'argent, ouais. Genre, fais gaffe, hein. Le type là-bas, il m'a dévisagé, à mon avis, c'est un facho, hein, lui, là. Putain, déjà, il bosse dans un bâtiment. Attends, on va lui défoncer sa gueule. Bah, faudra qu'on revienne voir les propriétaires, c'est pas possible, ça. Bah, putain, il s'excite, ouais. Putain, il résiste bien, là. Ah, ouais, comme un arbre. Ah, putain. Comme un homme, comme dirait Mulan. Ça marche pas, habituellement, ça marche, mais là, ça marche pas. Ah, ouais. Vas-y, on va aux EMS, tu vas faire la branche, petit Paul. Ouais, je peux prendre ton numéro, capitaine, quand même. Capitaine. Mais c'est vrai, j'ai pas enregistré ton numéro, ouais. J'ai même pas ton nom, en plus, j'ai même pas dit ton nom. Mais c'est Gunther. Gunther Barbie. Gunther Barbie. Exactement, je suis sur les applis. Ouais. Non, je t'enregistre, ouais. Eh, allez-y. Attends, je vais prendre le vôtre aussi, du coup, je suis con. Déjà, faut dire que j'ai un numéro. Bah, t'es le bien, hein. Oui, bah, attends.
C'est quoi que j'entends à côté? C'est quoi que... Eh! Agno! C'est quoi ton petit nom à toi? Lynch. Salut Flinch, moi c'est Tipol. Écoute, je viens d'arriver en ville, puis j'essaie de trouver mon papa. Est-ce que tu peux m'aider avec une petite pièce et tout? J'arrive pas à me payer un téléphone, puis j'arrive pas à je me paye un taxi pour essayer de le trouver. Ça va Flinch, je sais plus. Il a des problèmes Flinch. Oh, Flinch. merci beaucoup, ça va m'aider ça. Ça va beaucoup m'aider. Voudra. Oui. Il a dit quel Flinchel, merci pour le petit, il est content. Eh, va falloir qu'on trouve de quoi se défoncer aussi avec ça, ouais. Il t'a donné combien? Capitaine, il m'a juste donné 5 dollars. Quoi? Par contre, t'arrêtes de m'appeler capitaine, s'il te plaît, là. Mais c'est quoi votre nom? C'est Gunther. Il a dit c'est Gunther. C'est Gunther. Non, c'est pas Gunther, c'est Counter. Counter-Strike. Counter-Strike. Cotter, c'est C-O-T-H-E-R, c'est ça? Cotter Strike. Excusez-moi. C'est quoi ton numéro de téléphone? Sois patient, ouais. Moi, je sais pas vraiment. Arrêter l'école. Mais Cotter, C-O-T-H-E-R. Laisse-moi parler, tu veux son numéro ou tu veux pas son numéro? Oui, je veux ton numéro! Bah 255 685 91 68. Ouais! Et toi, c'est quoi ton petit nom là, le chewing-gum? Moi c'est Tipol. Mais appelle-moi Tipol, mais c'est Jean-Paul. Tipoche. Tipoche quoi? Oh merde. T'allais dire petite bite, hein? C'est ça? T'allais dire petite bite? Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Mais je vais te faire casser, moi! On m'appelle pas petite bite, moi c'est Tipol! Quoi? Calme-toi, là, un peu. Calme-toi, ouais. Tu veux une bagarre comme ça? T'as putain de facho, quoi, pour me demander la bagarre comme ça, ouais? Mon papa, il m'était donné un chantage. Sors pas les grands mots non plus. Ouais. Et c'est pas du tout. Un connard dans la rue, non. Parce que je suis pas une petite bite. Parce que mon papa il mettait de l'argent sur mon oreiller pour la fée des dents. Et le souhait que j'ai fait, c'est d'en avoir une grosse. C'est tout le temps le souhait que j'ai fait. Jamais eu. Mais... C'est ça. Non, je concrétise. J'ai pas encore grandi jusqu'au max. Je vais t'apprendre un truc, Tipol. La petite pas fille. Assez grand. La petite fille, c'est un truc capitaliste qui a été inventé par la société de consommation. Finalement, ça sert à rien. T'auras pas une grosse bite, ouais, elle existe pas. Mais non, c'est pas juste. Ouais, le monde est injuste, ouais. Si le monde n'était pas rempli d'enculés, on serait pas là à devoir se battre contre le capitalisme. Ça, c'est bien vrai, ça. Ouais. Chacun s'occupe de son cul, les moutons sont bien gardés, là. Faut arrêter de foutre son nez de partout, là. Ouais. Ils visent dans nos vies, ces connards. C'est clair, avec leur caméra de surveillance et tout, putain. Eh bien, tu pas aimé, vous mettez plus sous la peau, là. Oh, vous putain. Êtes ça, même quand on va chier. Non, touche pas à ma peau. Ouais, voilà. Ma petite peau de bébé, là. Je mets de la peau douce toutes les soirs, je sais pas quand il touche. Ouais. Et bon, je fais quoi, il en trouverait pas un bar pour être picolé, là, putain, j'ai envie de dire. Je sais pas s'il y a des bars. Moi, j'aimerais bien trouver un endroit pour me défoncer, ouais. Ouais, pardon. Ah. Bah ouais, tu veux le défoncer comme quelqu'un? Fais bien attention à toi, putain. On commence pas comme ça. Non. D'accord, c'est pas comme ça. Attendez, on est trop peu pour se battre, pour se foutre sur la gueule. Arrêtez les gars, si on pose un fasciste après, on aura plus les tripes. Ouais, en plus, calmez-vous. En plus, faut trouver une élimination pour acheter des bêtes de baseball, ouais. Bah ouais. Oh non, j'ai pas des bêtes de baseball, j'ai regardé. $3000, j'ai regardé. Oui, $3000. Ok, faut qu'on trouve des gens qui peuvent nous faire. Faut qu'on trouve un moyen de gagner de l'argent, ouais. Mais il faut qu'on aille au bar. C'est où quoi, le bar? Attends, je suis en train de réfléchir là.
putain, qu'est-ce que on pourrait faire gagner de l'argent? Est-ce bah... que... Et tu sais chanter, toi, tu sais danser? Bah sinon, on lui fait faire, des, on lui fait faire des spectacles devant les EMS, et les EMS, ils vont bien, il y a plein de gens. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Non, mais non, moi, je sais pas danser. Mais tu nous as déjà ramené 100 dollars, tu vas voir, t'es rentable, oui. Mais oui, c'est sûr. Ok, je suis bon, dette. Mais il est où le putain de parking là de merde? Je rentre. Il est où le parking? Aïe aïe aïe! Alors tu changes ta merde là! Ah ouais, mais putain, j'ai pas de. Bah alors les filles, ça se garde bien, ça suit les boutons, c'est ça? Bah ouais. Mais j'arrive pas à dire. Faut avoir un peu de respect pour nos bécanes, ouais. Eh ça c'est vrai, ça si c'est vrai. T'es ouais. Nous au moins on a une bécane, on a pas une vieille bagnole de merde. Eh. Mais il a pas payé tout seul, il me semble. Il est tantôt. Et moi aussi, avec nous a rapporté de l'argent, oh, putain. Y'a personne. Eh messieurs, bonjour, bah. Personne. Et comment allez-vous? Ouais, salut, ouais. Wow! Ah ouais, d'accord. Des poissons! Oh merde! Allons, les petits poissons! Poutou! Eh, quelqu'un a sonné, je peux sonner, je sonne. Mais attends, pourquoi tu sonnes? Bah, ah, déjà, j'ai mal. Ouais, c'est vrai, j'ai mal, ouais. Bah, oui. Ouais, c'est vrai, j'ai mal, ouais. T'as toutes tes questions courantes, attends. Pourquoi tu sonnes? Merde, putain, j'ai à tout faire attention. J'ai pas vu, j'ai déjà sonné. T'as déjà sonné? Attends, ouais. Je vais sonner moi aussi. Ding ding ding. Ah, l'enfer. Et attends, viens là, toi. Et je suis gomme là, passe voir ta main là-dessous. Là. Tu peux peut-être nous récupérer des trucs à bouffer. Là. Ouais, récupère. Vas-y, on fait une guerre. Vas-y. N'arrive pas à l'atteindre! Prends pas des chocolats à noisettes à la cour, ça c'est dégueu! Je vais prendre des petits pop-wou! Ça la branche, des pop-wou! Des papous! Tiens, regarde! J'ai pris des pop-wou! Ouais, vas-y, tombe bien, j'ai la dalle, ouais! Ouais, j'étais sur une grosse teuf, j'ai un type qui a essayé de se taper une machine comme ça, sa queue est restée coincée dans le machin là. Ah ouais? Attends, c'est possible de se taper une machine comme ça? Ouais, mais attends, le type, je sais pas ce qu'il avait pris, mais putain, il voyait des choses hallucinantes. Ouais. Il va falloir pour voir pour s'en trouver des trucs comme ça, ouais. Ouais, bah ouais. Et quoi, des trucs pour voir des trucs hallucinants ou pour se taper une machine? Des trucs tellement hallucinants que j'ai envie de me taper une machine, ouais. Action, chewing-gum. Eh bonjour monsieur. Allô toi. Ah bonsoir. Gardez-vous et... distance s'il vous plaît. Donc un chien. Mais pourquoi? Quoi? Y'a un problème? Pourquoi tu veux que je garde mes distances? Ah y'a pas de problème, mais c'est votre... C'est votre... Autrement, votre odeur là, ça sent quoi? La terre elle a tout bon, on peut se mettre au vœu, Ah bah il est sérieux. T'es sérieux? C'est quoi ces bordels là? Tu manques de respect?
Non, non, les anarchistes, rien à voir, c'est juste... Vas-y. Eh, vaut mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes agressif, monsieur, comme ça? La petite pièce, toi, d'ailleurs. Moi, en plus, je voulais même pas t'agresser. Je voulais juste te demander si t'avais une petite piècette pour les enfants défavorisés dans les quartiers. Les enfants, je ramasse des fonds et tout. Pour les SDF, ouais, j'ai de quoi donner. Ok, attends, je vais sortir mon calepin tout froissé. Qu'est-ce qui brûle, lui? Et c'est bon, il faut juste que tu me donnes ton nom, puis l'argent, puis je vais le transmettre à l'association. L'association. Et c'est un geste courageux de votre part, lutter contre le capitalisme et tous ces enculés, là. Ouais. Vraiment, si vous faites un don généreux, on va oublier ce que vous avez dit sur nous, puis on vous en tiendra pas rancune. Ça marche? Non, il n'y a pas de quoi mal le prendre, hein, c'est... Je constatais juste un fait, quoi, c'est tout. Vous voulez donner combien, monsieur? Voilà pour vous. $200. Merci beaucoup pour votre don. On est bien d'accord, le fait que vous dites là, c'est bien les SDF dans la rue là qui crèvent la dalle parce qu'on file. Tout bourgeois. Ouais, c'est putain d'enculé là. Avec des voitures où faudrait 15 ans de boulot pour se la payer, quoi. Ouais, c'est ça. Ça et tout. Monsieur, juste savoir, il manque votre nom. Ou à moins que vous vouliez rester incognito, mais c'est comme vous. Ah non, je préfère rester. Elle pouvait faire un don incognito. Ok, ouais. Ça marche. On dit les héros n'ont pas tous des capes. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre don. Ouais, avec plaisir. Avec c'est plaisir. Très gentil, oui. Avec plaisir. Vous avez fait un petit poil heureux. Moi, un petit poil heureux. Allez, attendez-moi les prochains, les gars. Non, putain. Eh ben, lui, il veut faire le calmer, lui. Il faut lui trouver un truc pour le calmer, lui. Moi, je vais prendre un truc pour me défoncer tellement que je me tape une machine et lui, faut trouver un truc pour le calmer et qu'il arrête de bouger partout, putain. Oh putain. Ouais. Et sinon, le noir. Le doigt, ouais. Ouais. Ah, il aime les poissons. Putain. Et peut-être que si on va sur la plage là pour demander des dons pour l'assaut, peut-être qu'il y aura des gens qui vont nous en donner. Alors, c'est pratique. Venez pas de poisson avec moi, ça va. Il est parti, monsieur. C'est pas grave, il y a de l'argent. Attendez, je vous parle à ça, il m'a donné 200. Ouais, c'est bien, ça fait $100 par personne. C'est $400, capitaine, je vous passe $400. Ouais, nickel, ouais, je suis couché. Après, il me reste plus grand chose dans mon cochon, il va juste me rester $34, mais bon. Attendez, on va. Où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'il y a des bars? J'ai-tu donné à la bonne personne? Je sais pas. C'est bon. Ok. Cherche un bar en ville. Attends. Quoi? Je t'ai pas donné l'argent? Si, c'est bon. Ok. Et cherche un bar là. Il y a du monde quoi pour l'assaut, tout ça, c'est important. Mais il y a le. Comment on appelle la personne qui fait des ordures? L'ordunier! L'ordunier qui. Il disait qu'il allait aller boire de l'alcool ce soir au Bahamas, je pense. Je suis proche de la fête foraine que j'ai entendu dire, ouais. Vas-y, on a qu'à aller là, ouais. Oui. Bah ouais. Je pense qu'on a que c'est à faire. Bah parce que là, il n'y a pas de médecin ici, je pense. Ça fait 10 000 ans qu'on attend ici. Il n'y a pas quelqu'un. Putain, fais l'euthanasie. Ah, de qui sont les médecins? Oh putain, donc. Pourquoi faudrait euthanasier les médecins? Attendez, je m'absente dans ma tête 2 secondes. Vas-y. C'est vrai que les médecins en soi, c'est pas très rigolo, moi je trouve. Là, c'est un peu, ils te mettent dans des cases et on te dit t'as ça, faut que tu prennes ça pour te soigner. Ouais, on te laisse pas le choix, ouais. Ouais, et puis tout ça, c'est une conspiration pour de l'argent en plus, hein. Bah ouais, c'est... Des soins... Dominé par l'industrie pharmaceutique, ouais. Et c'est ça, ouais. Ouais. Mais faudrait aller au casse d'AE, faudra retourner aller voir, hein. Faudra choper la directrice ou le directeur, faut qu'on parle de ça, c'est pas possible. Je prends la température, hein. C'est vieux savoir à qui j'ai affaire, hein. Ouais, imagine, c'est Fascio City, là. Ça a l'air d'être vachement Fascio City, ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression, ouais.
Tu vas bien. Faut qu'on se trouve de les mecs qui sont là. Les mecs sont bien habillés. Les mecs, genre, ils font des dos. Ils sont pas du genre à dire non, mais on est tous dans la même galère, frérot. Dis, je te paye une bière. Genre, ça sent les petits bourges qui donnent de l'argent pour se donner de conscience. Ouais. J'arrivais pas à me retenir, du coup, j'ai fait pipi dans la petite lampe. Ah putain. Mais non, mais ça va l'aider, j'ai vu ça à la télé. Eh, Tiborne, attends là, ton truc de MC là que tu me parlais. Ouais. Tout ça là. Ouais. Et y en a que 3 ou comment ça se passe? Pour l'instant, je pense on est que 3 pour l'instant, mais dans tous les cas, y aura Aya, y aura Liberty. Ouais. Puis y en a quelques-uns qui ont l'air d'être motivés aussi, hein, donc t'inquiète. Des médecins camarade, ouais. Des médecins. Oh putain. Aya. Oh merde. Et survolté lui, hein. Faut trouver un truc pour te calmer. Hein. Désolé, on était sur une intervention. Eh bonjour, intervention. Ouais, bonjour. Salut, ouais. Et il est beau, votre sac à dos. Merci. Eh, mais direct, il se barre avec la duck. Oh putain. Faut lui trouver des copains avec qui il peut jouer au parc. Ah, moi, sûr que c'est ça, on le met dans ma cassable. Oh putain. Mais attends, du coup il est parti avec les ducks, mais on sait même pas ce qu'on en fout, nous. Il en a rien à foutre en fait de nous. Ah putain, lui il a l'air de complètement déchiré. Bah ouais. Eh hey, mec, t'as trouvé où ta cab? Ah super. Bah réponds pas. Et de quoi? Je te demandais au mec où est-ce qu'il avait trouvé sa cab. Oui, la cam. Bah non, mais il avait l'air complètement déchiré. Bah non, je lui ai demandé, il répondait pas. Ah, il faisait genre. Il répond pas. Ouais, genre il me snobait comme ça. Ah, super. Ah, ça dégoûte. Mais il est où Steeple là? Bah, je sais pas. Mais moi, j'en peux plus là, putain. Ah, oh, putain, je l'ai presque. Vas-y, putain, vas-y. Ah, putain, j'ai le bras coincé, je crois. Ah, putain, je me suis coincé le bras là. Attends, vas-y. Merde. Vas-y, attends, t'inquiète, attends. Ouais. Vas-y, c'est le briefing, ouais, vas-y, ouais. Ah, allez! Tiens encore là, putain! Allez! Ah putain, non, c'est. Allez! Ah putain, c'est bloqué! Ah putain! Merde! Appelle le médecin là! Appelle le médecin là! Putain. Ouais! Tant merde, j'arrive pas à. Allez, c'est bon. Putain, mais tu t'en branles, rentre à l'intérieur. Merde. Oh ouais, Duck. Oui. Y'a mon camarade, il s'est il a le bras coincé de la machine, ouais. Ah non. Oula. Ouais. Ouais. Bah alors, monsieur. Eh putain, mais j'ai pas un rond, moi j'avais faim et j'ai essayé de choper un truc là. Et putain, ah non, mais si vous, avez faim, faut me le dire. J'ai craché pour toi pour essayer de lubrifier, ça a pas suffi, ouais. Attends, je vais cracher aussi. Faut peut-être que vous crachiez aussi, madame. Non, moi je crache pas. Mais moi je vais cracher pour elle. Je sais pas, elle a foutu du beurre, qu'est-ce que vous voulez. Oui, je vous mets un peu de vaseline là, sur le bras. Ah, j'ai l'impression de voir un film que j'ai jamais voulu voir, ouais. Allez, tirez votre bras. Quand il crache le truc de la vaseline. Attention. On tirez. 1, 2, 3. Hop là. Hop. Ah putain, nickel. Attends, je vais cracher encore. Putain, tu peux l'arrêter, merde. Putain, t'es court. Ah, d'accord. Mais non, mais je voulais juste l'aider, moi. Putain. Vous avez mal au bras? Ouais. Oh, ça va. Ah, putain. Mais merci. Pas de rien, monsieur. Vous voulez un truc à boire et à manger?
Ah, je veux bien si vous avez, ouais. Oui, c'est bien compliqué, sûr. Là. Demande des soins aussi, parce que tu te rappelles, il y avait un moustique sur ton nez tout à l'heure. Vous prenez ça ? Ouais ! Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, ah, merci, avez... j'ai bien un petit pansement, ouais. Oui. Ah, merci, oui. C'est ça. Très gentil de votre part. Et à boire. Hop là. Ah, nickel. Ah, là, vous me sauvez la vie. Ah, ça, c'est gentil de rencontrer des gens qui sont un peu serviables, qui s'occupent du peuple. Ouais ! Alors, je vais chercher de quoi vous soigner, ah, j'arrive tout de suite. Vous avez pas l'air d'être un putain de fachou, vous, au bois, ouais. 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 Mais je suis pas gentil, il m'a même donné de la soie dentaire. De quoi ? De quoi ? De la soie dentaire. Quoi ça ? Pour les dents. La soie dentaire, La soie dentaire ? Si, si. La soie dentaire ! T'es en train de me dire que tu te laves les dents, petit peu ? Tu te laves les dents. Non, je me lave pas les dents. T'es pas un putain de facho qui se lave les dents, ouais ? Non, t'es capitaliste, ouais ? Non, je suis pas capitaliste. J'ai juste dit qu'elle m'a donné. Pourquoi j'ai du poil sur les mains? Regarde, j'ai du poil sur les mains. Regarde mes mains. Quel du poil sur les poignets. J'avais jamais remarqué. Mais c'est normal. Je suis un homme maintenant. Fatigue là. Ah, j'ai envie de crever, ouais. Ah, faut qu'on. On a pas de ça, nous. Vous avez des places en crèche? Ah non, on a pas non plus. C'est dommage. Ah putain. Jure, on vous le place au minimum 15 heures par jour. Alors. Vous avez pas un truc pour le calmer sinon, genre, je sais pas, un peu de bœuf, un truc comme ça, mais... Ouais. Non, ça en a pas. Vous avez pas ça. Ah putain. Je sais pas comment ça s'appelle le truc là, les gens qui font de la dépression. Là. Putain, j'ai entendu ça, j'ai vu ça quelque part. De la kétamine. Ouais, de la kétamine, ouais. Ouais. Oh non, mais la kétamine, c'est pas pour ça. C'est pour quoi ? Pour les opérations, la kétamine. Je crois que c'est pour les soirées, moi. Ah bah non. Un peu que ça y est aussi, s'il vous plaît, avant que ça soit blindé, sous. Oui, bien sûr. J'avais aussi des bougeons sur nez, il m'a aidé à gros de claque dans la gueule, ouais. Eh tiens, je suis gomme, va pour l'assaut, là. Va voir pour l'assaut, là. Ouais, je bouge pas, ouais. Ah oui, ok. Ouais, récolte des dons à l'assaut, ouais. Ok. Allô, messieurs. La crise, ouais. Vous savez pas s'il y a un endroit, hein, s'il y a un endroit où il y a des bars ou un truc comme ça où on peut aller boire des bières. Vous avez l'Asgard qui est un bar très sympa. Ils ont pas de bière, je crois. Bar sans bière est très sympa, mais ça devient compliqué. Ouais. Non mais ils sont très gentils par contre. Asgard, comment t'écris ça, ouais. C'est où sur la plage. Bah oui. Okay. On peut quand même aller voir s'il y a pas une bière qui traîne au fond du frigo. Si jamais. Ah ouais, discothèque. Ok, ouais, merci, ouais. Il doit rien ça marche. Et merci, Doc. Merci, Doc, ouais. Ouais, t'es meilleur, mais... C'est qu'on connaît bien le quartier. Messieurs, bonsoir. Ah oui. Bah moi, mais j'essaie d'améliorer la situation des gens qui sont là-bas, puis je pense que t'es conseiller au maire ou quelque chose comme ça. Parce que je suis quoi? Conseiller au maire ou un truc du jour. C'est quoi, je suis conseiller au maire? Non, tu travailles pas avec le gouverneur. Mais non, moi je travaille pas pour le gouvernement, moi. Non, on n'est pas des putains de capitalistes fachos, t'as cru quoi, ouais. Jamais de la vie, je vais travailler avec un escroc. Lui, là, il prend l'argent des bons petits contribuables, puis il fait des dotements de fonds, c'est sûr. Ah oui, ça, c'est vrai. Parce que sinon, on serait déjà sauvés, les enfants des quartiers. Oh, c'est vrai, on va lui dire. Parce que tu sais. Ça met plein les poches, ce connard fasciste. Mais oui, quand ils achètent un nouveau tank pour les LSPD, qui c'est qui souffre? C'est les enfants dans les bas quartiers. C'est eux qui ont pas le tank. Exactement. Ah, tiens, man, j'ai un peu de billets là, il me reste que ça, je te donne. Oh, merci beaucoup. Est-ce que je prends ton nom ou tu veux rester incognito? Non, moi je m'en fous, je m'appelle Nate. Nate. Ok, ben je prends note. Oui, t'inquiète, pas de problème. Et merci, Nate. Pas de problème. Et merci. Et forcément, man. Servir à la cause. Ouais, salut, pas ouais. De problème. Ouais. Et bonne journée. À bientôt les mains. Passe une bonne journée, Nate. C'est bien, ils sont pas tous fâcheux. Il y a beaucoup clair. Quand même. Bon, on nous a dit d'aller au Asgard. Par contre, wow, c'est cool. Wow. J'ai fait une autre. Par contre, Nathan parle plus fort. T'entends pas. J'ai arrêté de parler fort parce que tu dis on gueule et après. Mais non, mais quand on parle à 10, c'est fort ou c'est pas fort? Non, c'est bien, je pense. Je sais pas. Bon, bah, du coup. Moi, c'est bien, ouais. Ça, c'est la mienne, chat, par contre. De quoi c'est la tienne? Genre, t'as une possession, ouais. Allez, c'est parti. On va au bar, allez, suis-moi, ouais. Joli casque. Merci, ouais, t'as vu? C'est la classe, ouais. La classe à Dallas. Oh, ta gueule.
Et il a rapporté combien avec l'autre là? Je sais pas, mais franchement, si on s'est pas fait pendant 1000 dollars. Mais ça, c'est rentable. J'ai pas du tout là. Pourquoi j'ai la casquette de merde? Là, t'inquiète. Ça plaît pas là, stagiaire. Hey, avec ton petit casque, on dirait un poisson. J'ai envie de lui rentrer dedans, oui. Yo, ouais. Hey. Oh putain, mais t'es malade. Et arrêtez là, putain. Ah, ça va finir sous MS. Putain, mais t'as 10 000 là. Ouais, calme-toi, oui. Ok, on arrête. Ouais. C'est pas ici quoi. Wow. Putain. Wow. C'était brûlé, ouais. Tout va bien. Tout va bien. Ah ouais. J'ai eu un petit coup de chaud. Ah, je le sais, ouais. Hey. Et je me dis qu'on est passé pas les 90, on va prendre les 4. Non, c'est un peu. Surtout ouais. À deux. Ouais, on va dire, elle est pas chère. Et ouais, c'est la... elle a du style, mais putain. C'était pas un peu plus haut normalement? J'en sais rien, mais je suis GPS. Ok. Non mais je vais, je te jure je le mal quand je descends là. Il y a plus moyen là. C'est où attends? Là il y a parking. Vas-y on va se garer là. Ben nickel. Par contre, la doc, elle nous a regardé avant de nous dire de venir ici. Bah moi, ouais, elle m'a regardé, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Wow. Wow. C'est beau, ça. Je pense qu'on peut voler les voitures qu'il y a là. Je sais pas, vas-y, tente. Ah non, j'aimerais bien juste chier dans la caisse, mais bon. On peut vas-y, pas. Essaye de chier dans la caisse. Non mais je peux pas l'ouvrir, regarde. Attends. Ah d'accord, j'ai un masque les gueules. Ouais t'as un masque là. Ouais. C'est problématique là. Comment ça t'arrives pas à l'enlever ton masque? Bah non, c'est comme si je l'avais. Ah parce pas. Que t'as pas d'autre masque. Tu vas... Ouais non. Tu vas dans ton inventaire. Ouais. Tu vois. Et au-dessus de tout ce que t'as, au-dessus de tes poches, t'as des petites flèches, ouais. Ouais. Et là, tu attends, vas attends, à droite là. De résoudre un petit problème avec lui là. Je sais pas ouais, si ouais, ça lui arrive. Tu vas bien à droite et voilà. Voilà. Ok. Et juste, faut qu'il apprenne à se dessaper. Ça fait 3 semaines qu'il a pas changé de vêtements. Ouais, du coup, il a du mal. Ouais. Mais comment t'as réussi, capitaine? Comment t'as réussi? Explique-moi. C'est quoi? La merde. Comment t'as enlevé ton masque et tout? Comment t'as fait? C'est, ben, je le fais quoi, je l'enlève. C'était con, c'est pas possible. Bon, qui chie sur la bagnole? Bah, moi je peux. T'as envie de chier toi? Moi j'ai pas envie de caca. Mais... Ah putain. Vas-y, on va boire des bières. Et après, avec 2-3 whisky, ça me donnera ouais, un peu moins envie de chier. Envie, ça va donner envie de chier, ouais. Ouais, si ça. Allez, on peut faire du. Allez. En plus, on paye pas la tournée, hein, c'est les trucs qu'on paye. Ouais, et t'as payé combien l'autre là? Non mais pourquoi on dirait pas que c'est les EMS qui nous ont fait la tournée? Ouais, autant on fait mais ça sur la facture des EMS. Ouais, ou du mec habillé en rouge là, j'ai vu prendre sa Ferrari là. Oui, c'est ça. Ouais. Lui, je le sens pas de toute façon. Ouais, non, mais non, lui. Ça pue. Ouais, ça pue. Putain, il s'est gardé ici là. Et ça pue, putain, mais. Et ça peut faire chier ta planée là. Ouais, salut. Eh, bonsoir. Eh putain, vachement propre le sol. Ouais, putain. Eh, c'est propre. Eh, regarde, regarde, les voitures. C'est vrai qu'il est très propre.
L'histoire d'un type qui est tombé du nid comme ça, il s'est coincé de téton entre deux lattes de plancher, ça fait gaffe, ça. Ouais, c'est dangereux le plancher, ouais. Vous allez bien, monsieur? Ouais, ça va, vous. Tu pas bien? Super. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous aurez de la bière? Alors, malheureusement, non. Mais qu'est-ce que vous servez ici? Il y a du jus de pomme, au moins. Les cocktails! Du café ou du thé? Du café, du thé, du thé. Putain, messieurs. Y'a pas un endroit pour boire des bières là, putain, mais c'est pas possible. Bah, à part à l'épicerie, non. Pardon? Y'a pas de bière rien. Y'a pas de bar à bière. Avec des bières, j'ai. J'étais des SDF, moi, boire des bières dans un parc qui sort de l'épicerie. Mais c'est de la bêtise à l'épicerie, bah ça me chauffe, hein. Oui, d'un coup, aussi. Y a plein d'alcool. Vous avez quoi comme cocktail? On a du tequila sunrise, mojito, sex on the beach et gin tonic. Sex on the beach, je peux pas dire, j'ai jamais goûté, j'ai jamais essayé. J'ai jamais testé sex on the beach? Ben, j'ai jamais. Et je te préviens, ça capre pour une couche parce que ça fait mal. Hein. Si tu te laves pas le lendemain, t'as mal sans sex on the beach. T'inquiète. Mais par contre, ça coûte pas trop cher, madame. Ouais, ça coûte combien, mais... le cocktail, c'est 135. Passez une bonne journée. sinon, vous voulez pas faire un dos pour une association? On a vu que vous étiez des gros bourgeois, enfin tout ça, ouais. Ouais, allez, vous savez quoi? Je vous offre un petit cocktail de bienvenue. Ah ouais, super, ouais, ça c'est gentil, ça. Là, c'est bien, ça. Ça fait plaisir. Ouais, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que ça coûte le cocktail. J'ai jamais pris. Mon père, il me sait pas où l'alcool. T'as jamais pris d'alcool? Non, jamais. Ah putain. T'es aussi chez père et t'as jamais pris d'alcool? Eh merci, ouais. Et j'ai hâte de voir le résultat là. Ouais. Vous savez pas où on pourrait trouver un truc pour le décontracter l'autre là? Parce qu'il court partout, on en peut plus, ouais. Par le MS, non? Non, mais y'a pas des gens qui vendent de la bœuf ou des trucs comme ça en ville? Wow. Oh là, si, sûrement, faut les trouver quoi. Ça va, c'est un petit joint là, c'est bien. Un petit joint, un peu de Guetta. C'est pas mauvais. C'est frais, c'est. Ouais. Bah, ça resterait meilleur avec quelques degrés en plus, ça reste 1% de palais, trop pas. Ouais, beaucoup de saveur, mais c'est. Waouh. C'est un peu trop sucré pour vous, peut-être, mais. Ouais. Ça moque. C'est super bon! Ça moque d'anarchie, ouais. Et peut-être foutre le feu au bar. Ouais! Et peut-être que ça a mis un coup si vous mettiez le feu au bar. Ouais! Déconne! Je suis pas sûr. Mais moi, je suis sûr, hein, je sais de quoi je parle. Je suis dans les bars depuis que je suis gamin, donc. Ouais! J'ai vu des bars flambés, là. Un truc qui crame, c'est toujours meilleur, ouais, ça c'est clair, ouais. Oui. Ouais. Vous avez connaissé les crêpes Suzette? C'est pareil. Ah oui, mais c'est très bon ça. Bah voilà, c'est très bon quand ça crame, ouais. C'est pareil pour tout. Un cochon, c'est bon quand ça crame, ouais. Pareil. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et quand vous appelez? Vanessa. Ok, et vous là-bas, votre collègue ou patron ou copatron, je sais pas ce que vous êtes là, j'en sais rien. C'est un employé, le monsieur là. Hello! Et votre employé? Bah, ça va? C'est Fen. Ouais, toi? On est dans un bar de Bourges avec. Enchanté, je m'appelle Counter. Avec un Tipple, je sais pas si tu connais, c'est Elsa qui nous l'a envoyé. Et je suis avec. J'ai revu Gunther aussi, ouais. La vache. Ouais! Bah, viens si tu veux, on est à l'Arche, je sais pas quoi, près d'El Perro, ouais. L'Asgard. Discothèque Asgard. Oui, c'est ça, ouais. Compris, là, t'as ok, je vois où c'est, j'arrive. Non, mais parce que c'est ouais, nickel, ouais, à telle heure, ouais. Y'a Adia qui arrive, ouais. Y'a Aya. Ok. Aya. Eh ben, vas-y, dis de venir ici. Y'a pas de pire. Vas-y, je lui dis de venir ici, c'est bon, elle va pouvoir goûter le cocktail de Bourges. Bien fait, ouais, ok. Vous avez des toilettes par hasard, là? Parce que je me suis pas lavé depuis 4 jours, j'aimerais bien pouvoir utiliser un peu de toilettes. Sur la plage, y'a des douches, si vous voulez. Ouais, bah nickel, je reviens les gars. Sur la plage, il y a la mer, même. Attends, excusez-nous deux minutes, il faut qu'on parle d'un sujet sensible. Ah ouais, je vous en prie, allez-y, monsieur. Quoi? Allez, tout bas. En fait, j'ai besoin d'aller là-bas parce que ça me dans le pantalon depuis quelques...
C'était brûlé, ouais. Eh, la dernière fois que j'ai vu mon slipper, putain, hein. Et les machins noirs, je sais pas c'était quoi, enfin bref, vous voyez le genre là. Quand on vient de prendre de la moto, bah ça a frotté dessus quand j'ai des irritations, putain. Mais je t'avais demandé à Agnès si elle peut pas cracher dessus pour voir si ça ferait pas partir. Mais je t'avais dit de pas te taper Vanessa du squat, putain, elle est plein de trucs dégueulasses. Eh mais putain, elle avait de la bonne cape ce jour-là. Ouais, bah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est mon petit penchant. Non, j'avais pas envie de sortir tout le matos au milieu du. Bah voyez quoi. Enfin bah ouais, je vais, parce que là, c'est... putain, ça joue plus. Ouais, il fallait qu'il aille faire des trucs. Genre. Mais ça s'en fait dans le pantalon, comment on dit. Oh putain. Il fait l'euthanasie. Et c'est comment toi, Tono, l'employé. Ok. Ouais, il est bon. Pas. Ouais, c'est Fen. C'était Fen. 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 C'est pas le nom d'une branche d'arbre, ça. F-E-N, c'est pas compliqué. T'es ETN. Wow. Fud. Oh là là, et je vais aller dans le bureau moi. Ouais, va te détendre, ouais. Et il est gros chaud depuis qu'on a dit qu'on allait cramer sa caisse, ouais. Ouais. Ah oui, bah, effectivement, ouais, ça peut être compliqué, ouais. Ouais, alors faites attention par contre, touchez pas à ma caisse. Ouais, je fais ce que je veux, capitaliste. Un peu gros chaud, on est lundi, ouais. Ouais, ouais. C'est comment? Ouais, c'est de la tour. On attend. Il est belle sacrée, hein. Guili, ouais, t'as vu, c'est du. Votre petit mulet vert, il est pas mal aussi. Ouais, j'ai la touille. Ouais, ouais, t'as entendu ça? Je lui plais, je lui tape dans l'œil, contrairement à toi. Ah putain, j'ai lui. Votre mulet était réussi, quoi. Vous savez, ça fait moi-même. Ça fait 10 minutes que je le connais, il m'a payé une moto, je l'aime bien, mais putain, qu'est-ce qu'il casse-couille. Ah oui, ça arrive des fois. Ah, il est à fond. Faut y trouver de la buzz, c'est pour ça, c'est bien. Mais, avez... mais non, je suis pas casse-couille. Un gros coup de kéta dans sa gueule, ça lui casse le. Ouais, il sera plus tranquille, ouais. Vous faites quoi là, dans la vie, messieurs, avec vos habits si colorés là? Oh, je suis le capitaliste. Ouais. On est en train de créer MC, ouais. D'accord. Pour chier sur le capitalisme, ouais. Très bien. Avec des potes, nickel. Tout ça, ouais. On va se regrouper pour. Genre, bah, cramer des trucs, le gouvernement, tout ça, ouais, et puis. Ah oui, puis vous faire avez un ce projet, oui. Ouais, bah quand je dis renverser le capitalisme, forcément, ça parle du cramer le gouvernement, ouais. Mmh. Et redonner aux pauvres aussi. Redonner aux pauvres. Ouais, ouais. Y'en a marre des inégalités sociales, ouais. Détruire la classe bourgeoise, abolir ouais. La classe moyenne et augmenter la qualité de vie de la classe des pauvres. Ouais, tout le monde pareil, tout le monde pareil, ouais. Chacun peut faire ce qu'il veut, ouais, sans jugement, ouais. Ouais! C'est un vaste planning tout ça, dis donc. On a plein de trucs à faire, on est débordés. Vous auriez pas justement un don à faire pour notre organisation qui est un cours de construction? J'ai tout compris, mais. Ah, bonsoir. Mais le MC qu'on était en train de monter, vous auriez pas un petit don pour nous? Pour les enfants des quartiers défavorisés! On va regarder ça, attendez. Ah ouais! Ah ouais? Pas de soucis. De très généreuse, madame. Eh, salut Aya, tu veux bien? Oh, merci beaucoup! Je vais bien à toi, madame. Ouais, nickel, ouais. Est-ce que je peux prendre votre nom? Comme ça, on voit ça qui a fait. Ah, il n'y a pas l'autre chose. Il récupère les donations. Non, ça sera tout. Nessa? Ok. Quoi? Bon, ben, je le dirai. Merci beaucoup, Nessa. Pas de soucis, Tipol. Ouais, du coup, on est passé aux MS, on est passé ici. Le MS nous a dit de venir ici. Ben, bah, nous avait prévenu qu'il n'y avait pas de bière. Si tu veux, tu peux goûter avec des cocktails de Bourges. Non, c'est pas de la juste de la bêtise. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Mais t'as vu? Avec pour plus en France la bêtise, ouais. On s'en fout. Un truc de voilà de la bonne bière, mais pas cher. Ouais. Tu fais comment pour être défoncé à Manif rapidement, ouais? Bonne bière pas chère, c'est l'épicerie, hein. Bah voilà. Là tu dis. Mais la bière de l'épicerie, c'est dégueulasse. Mais si, c'est pas non plus. Ouais, c'est un peu, ça tabasse un peu, ouais. Ouais, c'est ce qu'on veut, ouais. C'est parfait. Un excellent rapport qualité cuite, ouais. Ça, c'est important pour nous. Très important. Voilà, monsieur. Parfait, merci beaucoup. Il y a Gunther, il est parti se laver les burnes parce qu'il s'est tapé Vanessa du squat, ouais. T'arrêtais pas de chauffer. Ouais, ça gratte et tout, ouais. Ok, moi, je me suis pris un bateau dans la gueule, putain. Un bateau? Ah, bah. Oui. T'as du gore, un bateau abandonné, paf, je me suis pris dans la gueule. Ah ouais.
C'est quoi cette ville où il y a les gens qui font traîner leurs bateaux? Putain, ils ont vraiment de quoi ça à foutre. C'est un truc de bourgeois encore les bateaux, ouais. Je pense qu'il va falloir brûler des trucs ici. Ouais. Ouais, on a déjà voulu cramer une Ferrari, mais l'essence est trop chère ici, ouais. Putain, j'ai voulu, ouais. Ouais. Prendre un crédit à la consommation à chaque fois que tu fais le plein. Ouais, comme ça, l'industrie bancaire, ils s'enrichissent sur nous, sur les plus pauvres, qu'on a besoin d'acheter des crédits à la consommation pour cramer et renverser le capitalisme, et du coup, ils gagnent encore plus d'argent. De plein cul. Ouais, 15% en plus, mais oh putain, faire niquer. Salaud. Bah. Bon, il est long à se gratter la poche, lui. Ouais, il est long, ouais. Je crois qu'il a beaucoup à gratter. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de fromage à enlever, hein. Ah, non, me dis pas ça, parce qu'à chaque fois, j'ai des visions d'horreur dans la tête. C'est bien que je suis un peu. Ouais, Fent, il est gros chaud derrière, il dit juste dégueulasse et après, il parle pas, ouais. C'est ça, le petit chauve? Non, le mec bleu là-bas, là. C'est pas un chauve, ça? Un chauve, ça. Un schtroumpf? Je sais pas. Et il y a du fan de la peinture chez lui, puis il est tombé la tête dans la peau de peinture, je pense. Je souhaite que je fermerai ma gueule, mais après, bon. Ah bon? T'as les cheveux verts, non, il me semble. Mais oui, mais moi aussi, j'ai fait des travaux d'innovation. Eh, vous allez être des genres de boîtes un peu chico, genre, ouais, on va faire payer de la coke à nos amis et tout, à nos invités, tout ça, parce que ça siffle dans les toilettes, t'aurais pas des contacts pour faire bosser, nous? Non. Ah bosser, j'en sais rien, mais en tout cas, la mosca commence à m'énerver là. J'ai plus rien de naturel à prendre. Ouais, en plus, ouais, ça fait longtemps. Ouais. C'est ça, moins de jours. Oh putain. La mosca, attends, je vais aller chercher pour voir qu'est-ce qui se passe avec son problème. Ouais. Elle l'aider à frotter. Ouais, il devait être. Ils vont vous savez, les très nerveux comme garçon. Ouais. Il a l'air, ouais. Ouais, il partage un peu trop, ouais. Et ben, pays de moto. Toujours dans les bons coups, toi. Moi, j'ai dû bosser, putain, ça m'a bien cassé les couilles, ça aussi. Non, mais je suis arrivé, j'avais pas d'argent, je fais, t'arrêtes pas de 1000 balles, et voilà. Et sinon, vous faites quoi du coup en ville? Vous êtes, c'est vous la directrice? Non, je suis la directrice adjointe. Directrice adjointe, c'est la sous-capitaliste en chef, ouais. Ouais, si vous voulez. Ouais, en gros, elle fait plus de travail que de directeur. Mais elle est payée moindre et elle est contente parce qu'elle croit qu'elle va peut-être pouvoir avoir la place un jour. C'est ça, ouais. Ça, c'est capitaliste. Ouais, c'est capitaliste. Pas vraiment, mais si vous voulez. Ah, ça part un peu trop loin. Ah non, non, c'est comme ça que ça marche. Toujours donner un peu d'espoir, gagner d'argent. Et c'est eux qu'on entend crier d'ici. Ouais, je crois bien, ouais. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Non, là, ça va pas passer, ouais. Même mon chien, quand il revient de la pluie, ça sent pas aussi mauvais, hein. Je veux pas savoir ce que tu fais à ton chien. Mais non, mais quand il revient de la pluie, quand je le sors dehors, c'est tout. J'aurais fait le même. Attends, et donc du coup, ici, il y a code de sous-chair. Mais je vois que vous avez la Charenkov ici. Ouais, alors malheureusement, faut pas se référer à ce qu'il y a sur les tables. Hein. Si on peut super, publicité mensongère, ça c'est très capitaliste aussi. Ça dit capitaliste, ouais. Publicité, c'est capitaliste. La pub, c'est la merde. La pub, c'est ouais, c'est pas foutre de faire la demande au gouvernement, mais bon. La putain, salut Adia, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est moi ou t'es passé sous un truc tout comme du cambouis? Ben non. C'est très dark en fait. Je vois pas de quoi tu parles, moi. Très dark comme garçon. Bon bah du coup, vous en avez quoi ici, les garçons? Bah, je sais pas, on va bouger. Mais je sais pas, on va bouger. Chercher de la bière à la base. Ouais, bah, parce que j'ai trouvé un petit endroit pour squat, ça peut être très sympa. Ah vas-y, on va voir, ouais. Bonne soirée, messieurs, dames. Merci beaucoup pour les dons. Ouais. Et fais-toi, range bien ta voiture, ouais. S'il y a des fachos qui viennent, n'hésitez pas à nous le dire, on sera là. Ah oui, c'est important. Ouais. Bonne soirée. Vous avez des problèmes de fachos, n'hésitez pas à faire l'intervention. Bonne soirée. Ouais, salut, ouais. Soirée. Ouais, salut. T'as un de tes gars qui parle un peu fort, on l'entend de loin. Ouais, je pense que c'est... C'est lequel? C'est Tipol. Tipol, fais bien ta gueule. Ouais, Tipol, ta gueule. Ouais, du coup, voilà. C'est juste pour te le dire, moi. Merci, ouais, merci, ouais. Et ça marche. Ouais. Et putain. On dirait que c'est des plantes, mais en fait non, c'est pas des plantes, mais c'est un truc de... comment ça s'appelle, de... Hello Minoshow, comment ça va? L'écologiste de mes couilles, là.
Leur plan de plastique pour faire genre c'est écolo alors que c'est pas écolo, ouais. Ah, bien moche. D'accord. Ouais. Ça aussi. J'ai l'impression. Eh putain, ça, mais vous avez tous une moto, je suis jaloux là. Putain. Besoin d'argent pour une moto? Bah oui, je suis assez que moi. Oh, wow. Ah, ben alors ça par contre ça va me casser les... Oh putain, j'ai super soif! Attendez! Tiens, tiens! Qu'est-ce que tu prends ça? Tu me donnes de l'eau! Je t'entends pas, petit Paul. Petit con. Petit con! Quoi, là? Non mais. Faut parler à 3 mètres ou faut parler comme tu es à 10 mètres? 10 mètres, non, 10 mètres, mais je pense que t'es à 30. Mais c'est ce que je faisais d'abord! Non, tu t'es à 10. Après! Parce que quand t'étais tout là-bas, je t'entendais. Tipol, il serait bon de baisser un poil les cordes vocales, je pense. Ah. Un poil, vraiment un poil, mais un petit okay. peu. Ok. C'est vraiment... Mais je voulais vous montrer quelque chose. Si un avion de chasse s'y passe, j'entends pas l'avion de chasse, j'ai l'impression. Ah, mais là est-ce que c'est mieux si je parle comme ça? Ouais, nickel. C'est mieux, okay. Je suis désolé. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, je vais mettre mon casque. Et je vais regarder ma coupe mulet après. C'est quelque chose. Quand je vais l'enlever, attendez. Et pourquoi mettre le casque? Regardez ma coupe mulet. Attendez. Putain, enlève ton casque, espèce de. C'est la même. Bah, je veux pas de diff. Ouais, j'ai pas vu de diff non plus. Ah non, ok, mais moi j'ai vu les cheveux qui ont fait pouf d'un coup. Okay, t'as vraiment besoin de reprendre de la drogue. Hein, c'est pas ouais, il faut lui prendre un bon kilo de bœuf pour lui, ouais. Sinon, oui. Quelqu'un a l'astuce pour pas mettre de casque là, parce que moi Bah, j'ai acheté un casque dégueulasse, mais au moins comme ça, au moins. Ah oh, putain! C'est moi qui choisis. Niquez mon beau chapeau là. Et tu veux aller chercher un petit radbike ou pas quoi? Ouais, on va aller chercher. Ouais, on va aller prendre une radbike, ouais. Ok, parce que j'ai argent pour toi si tu veux. Vas-y. Ouais, je veux bien, ouais, c'est gentil. Ok, je vais vous montrer le spot d'abord? Ouais. Ouais, vas-y, bah ça dépend, c'est du coup le plus rapide sur la route, ouais. Bah je pense que c'est d'abord acheter la moto. Bah vas-y, on va acheter la moto d'abord, comme ça il sera pas prêt. Allez, c'est parti. Même si j'ai l'impression que t'as putain de l'écologiste qui fait du covoiturage. Ouais. Ça me dégoûte. Eh, hey, capitaine de merde. Ouais. Et en vrai, en plus, tout à l'heure, au truc de voiture, j'ai vu un mec, c'était un... J'ai vu que c'était derrière MC 1%, ouais. Bah ouais. Ouais, on a des détonations, on aurait pu leur demander s'ils avaient des trucs à vendre ou des idées de pour se faire un petit quoi. Ouais, ça c'est pas bête, putain. Il faut qu'on arrive à trouver un contact ce soir, c'est la merde. Bah ouais. Putain. Ah ouais, putain, faut vraiment que tu t'achètes ta ride bike de merde. Ouais. Ça va plus. Quoi? Quoi? Il a mis son argent dans une banque, elle. Pourquoi elle met l'argent à la banque? Non, mais, elle est folle. Elle est complètement tarée. De toute façon, je te le dis, là, si ton projet il se fait, j'ouvre un potager, je te préviens. Un potager pour quoi faire? Et commencer à pourquoi faire comme ça, je m'en ai pas besoin d'utiliser de l'argent. Mais c'est pas cool, ouais. Qu'est-ce capitaliste de merde, on est autosuffisant. Ouais, c'est pas mal ça, ouais, tu seras notre jardinier, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Et ça me détend entre deux coups de flingue, c'est pour ça. Mais il arrive quoi? Bah je sais pas, elle a besoin de distributeur maintenant. Ah c'est pire, mais elle a complètement plongé dans le capitalisme. Ah je te jure, ouais. Bah, elle a regretté. Attends, je vais aller. Il s'est arrivé. Je vais bien tout garder, mais je savais pas si je vais pas me faire piquer tout ça dans le squat, tu vois. Ouais, garde tout, ouais. Donne pas ta thune à la banque, ouais. Putain, ça c'est vrai, ouais, tu fais un ouais, foutre sous la scène de la bécane, y'a pas de choix, merci.
Normalement, c'est 2000 tonnes. C'est... Tu pourrais même acheter des choses avec. Et nickel, merci. Oh, wow, wow, wow. Tu prends la place des gouttes d'air. Non, mais tu peux pas le faire. Arrête, Nick. Viens, oh, c'est à tête quand tu veux, là, je suis là. Oh putain! Putain, mais déjà que c'est pas long, déjà que c'est pas rapide, mais alors là. Ah, alors, par contre, c'est 2500. Non, c'est 2000. Chien, donc. C'est 2000. La ah ouais, ça vaut beaucoup. Ouais, de ouf. Et oubliez pas, vous pouvez voter pour gagner un peu d'argent. C'est comme si on était au chômage. C'est incroyable. Je suis quoi avec nos croyants au gouvernement ou... Non, non, tu fais comme si tu tapais sur ton téléphone vote. Ah, une autre fois. Bah attendez, celui qui doit acheter sa moto, il est pas là. Super. Mais qu'est-ce que tu branles? Mais attends, mais je règle la souci. Putain, bah, ça pue. Tu casses les couilles à tout le monde là, pousse-toi. J'étais sûr, je m'en branle, là, il fait le tour. Ouais, ouais, y'en a des SO qui sont revenus. Non, je regarde s'il sait se garer ou s'il va falloir aller là. Et les Nahoy. Du culé ? Ça veut dire juste l'enculé. Ah ouais. Toute gentillesse, bien sûr. Ouais, avec le consentement, c'est important. Toujours. Ah, le nôtre, et en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Soir. J'aurais acheté une road bike, s'il vous plaît. Allo. Arrêtez, bah, tuez-moi si vous voulez bien. Ouais, je vous suis. Ah ouais, une grosse bagnole de riche. Ouais, t'as vu? J'ai envie de cramer ces trucs-là, ouais, putain. Moi, je trouve que la seule utilité de ce 4x4 là rouge, c'est pour faire une piscine. Ah oui, j'avoue, ouais. Une petite piscine, là, ça serait bien. Ou j'ai pas mon permis, moi non plus. Mais on n'a pas besoin de permis ici, on s'en criche, on s'en fout. Bah, j'ai pas passé là. Ouais. Quoi, ton petit nom à toi? C'est Anya? Anya? Ok, mais moi c'est Tipol. Et c'est quoi ton nom, toi d'ailleurs, le vendeur de bagnole? Jacob. Jacob. Et tu fais quoi de la vie? Jonathan juste Jacobo. C'est à toi qui appartient à la... Oh putain. J'ai rien entendu. C'est à toi qui appartient à la concession? Non, non, je suis qu'employé, moi. Ah ouais. Tu veux te révolter et briser tes chaînes ou pas? Ouais. Non, je suis bien en tant qu'employé. Ça me dérange pas. Ton petit train-train? Du boulot, métro? T'aimes une brebis dans un petit enclos? Ouais. Va te libérer de tes chaînes. Oh bah, je pourrais chaîner, honnêtement. T'es le genre de mec qui prend des trucs le soir pour se réveiller et avoir l'impression d'avoir une vie palpitante, non? Non, non. Toi, tu prends la pilule bleue à chaque soir, hein? Moi, ouais, non, putain. Non, je prends rien du tout. Ouais. Mais c'est bien dommage, hein? T'aurais pu devenir un loup, mais tu veux pas. Mais... Ouais. Je préfère vivre sous... Coupe du capitaine. Ouais, mais il est. Faut que j'aille dormir, moi. Faut que j'aille prendre la. Ça sent trop une propre ici. Ça sent trop le propre, il faut qu'il aille prendre l'air. Ça, je suis d'accord. Ouais. Ça manque de poussière. Je t'entends pas super bien. C'est chaud qu'on va, Anya. Anya.
J'entends vraiment pas du tout. Tu m'entends pas là? Là, ça va là, là il faut vraiment que je me colle comme ça pour t'entendre en fait. Ah, c'est fou ça. Ouais, t'as 10 mètres environ, c'est bien 10 mètres. Ouais, 10 mètres, c'est ce que j'ai. Mais... Ah ouais? Ah non, c'est okay, ce que bah là, là ça va mieux là. Mais avant, je crois que t'étais. Ah, j'étais à soi peut-être, ouais, des fois, ouais. Deux fois, tu sais. C'est pas... Oui, je disais, après on va aller voir la. Le squat. Le squat, ouais. J'ai des balançoires ou pas? J'ai des balançoires? Non, mais il y a de quoi faire du. Comment ça s'appelle là? Du skate. Oh, ça c'est cool, ça c'est cool. Ouais, okay, je sens qu'il va y avoir des morts. C'est pas grave. Oh. Ça donnera des trucs à faire. Okay. Pas pour très longtemps. Et après, j'ai trouvé un en ville et un beaucoup plus loin. Parce qu'il faut qu'on reste en ville. En tout cas, pour l'instant, oui. Après, ouais. On pourra peut-être, je sais pas, quand on aura envie de prendre le frais et tout, on pourra changer de squat. Hein. Un squat, c'est ouais, ça. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Si jamais on a des problèmes, ouais. Nathan, elle m'a donné 1 000 $ de dons. Ah ouais Nessa, là. M'a donné 1 000 $ de dons. C'est ça qu'il faut faire, en fait. J'ai récolté 2 000 $ de dons, ça veut dire aujourd'hui. Bravo. Petite bah, que de travailler. Oui, mais je fais quoi avec les dollars pour le coup? Tu donnes. En fait, ça t'intéresse d'un jeu de Tepsi ou pas? Du coup, il t'en avait parlé, Elsa, ou pas? Oui, il m'en avait parlé, j'aimerais beaucoup qu'il y a. Ok. Tu gardes pour toi et quand on a besoin de thunes, tu nous donnes la thune et puis voilà. Et bon, t'es. Oui, il est en train de la sortir, il m'a dit que je pouvais montrer ma carte d'identité, mais. Ah putain, ouais, ok. Ah okay. Oui, tu me ramènes, c'est gentil. Ouais, mais c'est... Ouais, laisse tomber, putain, je suis fatigué, moi. C'est pas grave. Par contre, c'est parce qu'il est important, là, c'est de réussir à avoir des contacts, là. Toi. Comment quoi ça, j'ai pas fait grand-chose? Mais je sais pas, tu t'arrêtais pas de dire « Chewing-gum, va faire des donations, va chercher des donations !» T'as pas fait grand-chose, toi. Ouais, c'est fatigant, t'as des ordres. Ouais. Je suis plus fatiguant de demander de l'argent, hein. Quand tu te plains, c'est bon. Mais non, je me plains pas, c'est toi qui te plains que t'es fatigué. Et tu peux bien faire ça pour tes amis, mais je me plains, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai pas bu une seule bière depuis le début de la journée, là, je peux plus. Oui, c'est vrai. Ah, ça, faut trouver bien, il faut trouver des drogues surtout. Mais on trouve quoi, puis après, ça, on trouve bien. Et moi, je t'en prie, je te passe ça. Moi, je vais vous montrer les petits squats et après, on va essayer de trouver un endroit pour aller trouver quelque chose à fumer, putain. Putain, je suis deg, en plus, j'ai vu des bikers à pourcent tout à l'heure. J'ai pas eu le temps d'en demander, ouais. Ah oui? Ah putain! Et parce qu'il m'a déjà envoyé chier, donc. Ah! Ah, venez avec nous. Ouais, il faut suivre. Ah, est magnifique, putain! Ça, c'est de la mécanique. Bon, bah, on va l'attendre sur nos motos, hein, ça sert à rien de. Bah, attends, on va peut-être demander au mec si c'est où on peut trouver de la cab, donc. C'est non, je pense qu'il faut aller à Comico, comme on dit, et demander où est-ce qu'il est surtout pas aller pour pas avoir de la drogue. Ouais, c'est pas belle, ça, ouais! Je pense qu'on pourra peut-être avoir renseignement. Ouais! J'aime beaucoup comment tu roules l'IR. Quoi? C'est naturel, c'est mon. C'est l'accent du chemin. Oui, c'est joli. Aussi, c'est comme ça. Faut pas croire, Aya, elle a plein de capacités. Elle roule bien l'IR et elle limite très bien le Shikiro Run. Waouh! Ouais, voilà. C'est la waouh! Waouh! Un château! Miaou! Hey. Oh non, putain! Ah ouais, putain, le casque, il va bien, il va bien celui-là. On te suit pour que tu nous bottes le squat. Allez, let's go. Vas-y. Non, ça, c'est la mienne encore, tiens. C'est la mienne encore, ça. Ah, ça va être compliqué, ouais.
Mais c'est juste parfait ici, ouais. J'avoue, y'a un petit canapé. Oui. Mais ouais. Oui, c'est bien ici. Waouh. Mais c'est nickel. On a le pont juste au-dessus. Mais de ouf. C'est grande classe. Et y'a des toilettes, putain, j'ai pas fait gaffe. Oh putain. Ah ouais. J'adore à la belle étoile même quand il pleut là, c'est bien ça. Non mais c'est parfait ici. Ah ouais. Regardez, on a même des, on peut même en faire des arèdes. Ah. Là, je viens d'avoir une idée pour faire de l'argent. Wow. Ouais. Ah ça c'est des, arènes ça. Bah ouais, ça fait arène ça. J'étais des lions à l'intérieur. Ah c'était chiant. J'ai toi là avec ton collant lion là. Un tigre. Oui. Un tigre plutôt. J'ai failli la petite roue mais j'avais pas sa réaction. Non t'inquiète. Moi t'appelles uniquement si toi pas de gentil. Ah et bah. Bah c'est nickel en fait ici hein. Bah oui, puisqu'en plus, t'avoue, y'a endroit là-bas si tu veux mettre les motos, tout ça. Ah, après bah, ouais. Je pense qu'il faudra faire attention parce qu'il y a souvent des gens qui viennent faire rendez-vous. Eh ben on les fiera, c'est pas grave. Voilà, mais ici c'est bien. Bien, je sais pas où est-ce qu'il y a un petit parking. Quoi? Il y a un parking, il y a côté, ouais. En plus. Bah ben, regarde, en 80-84, ouais. C'est parfait alors. Bah ben, ouais, ça va. Oui, moi j'aime beaucoup ici. J'aime bien aussi. Ça me rappelle le port avec mon papa. Bah va du coup ici, ouais. Petit odeur de goût en plus, c'est parfait. Bah nickel. Par contre, le truc un peu chiant, c'est, je sais pas si vous avez attention, il y a un comico pas très loin. Bon, on s'en branle. Bah ouais, c'est pas le comico principal. Comme ça, à chaque fois que je me lève le matin, je te refais un peu. Moi, j'ai juste passé faire un peu essence, putain. Ouais, c'est on va cher. Passer faire de l'essence, faut aller aussi à la supérette, peut-être voir si on peut s'acheter de Tucky Walky. Ah ouais, j'ai pas le cas d'ici. Ouais, ça c'est une bonne idée, tiens. Les Tucky Walky, c'est $150, moi j'en ai acheté un déjà. Ah la vache. Ah bah ça va. Est-ce que j'ai de la thune? Rien, j'en ai pas. Ouais, c'est bon, j'ai $300. N'oublie pas, si tu vois, tu gagnes 750. Comme ça. Je vote pas, moi. Je veux juste. C'est 56$ putain. 56$ pour moi. Putain d'industrie là, putain de merde. C'est sûr, 56$, c'est sûr que c'est à cause des réchauffements climatiques là. Les gouvernements ils servent de ça pour augmenter le prix de l'essence, c'est sûr. Ouais, bien dit. Ok, petite supérette, Y'en a une à côté, bah c'est pas une supérette là à côté. Ah si, c'est ça. Je crois que c'est pas là.
Voilà, ouais, mais je crois que ça se trouve dans les armuriers. Les armuries. De quoi? Mais déjà, je vais peut-être prendre à manger à boire. Bière, téléphone. Oui. Non, mais j'ai des trucs. J'ai des trucs, Anya. On peut s'acheter de la bière. Aussi. Ah, des bidons d'essence. J'ai des trucs qui te nourrissent plus, en fait. Attends. Non, mais j'ai des corn dogs et j'ai petit coca aussi. Donc t'inquiète, c'est gentil. Ah, j'ai des tickets à gratter titanium. Là. Ah, bah, j'ai des tickets à gratter. Hein. Une canne à pêche. Y'avait pas aussi un sac? Y'avait pas aussi un sac qui était. J'en sais rien. Qui était utile ici? Putain! Oh, du rhum! Oh, ah, petit cigare! Ah, putain, ça y est! Putain! Des petites bières, ben j'ai claqué 130 dollars de tickets à gratter, j'ai tout perdu! Ah. Tu t'es fait avoir par le capitaine, tu t'es fait avoir par le capitaine, Essaye la ta gueule. Ouch. Je vais pas avoir mal de capitalisme. Mais c'est vrai, hein. Arrêtez la putain. Ouais, désolé monsieur, je voulais pas. Yeah. Ouais, je me prends une dizaine de paquets de bière. Ta gueule. Moi j'ai pris des desperados, je sais pas c'est quoi, mais... Un peu, donne la caisse. S'il te plaît. Waouh! Waouh! Ah, il fait des bosses incroyables! Eh ben, attends, t'as combien sur toi, petit Paul? $1,055 piastres. Ah putain! Je disais, on était pas loin de pouvoir s'acheter une batte de baseball, un truc, mais. Ah, j'ai 1,300 Ben, ouais. Ah bah si on les combine, tu pourras payer une batte de baseball. Non, c'est quoi, pas trop. Ton père, il a jamais joué au baseball avec toi? Faut acheter d'abord une petite radio et ensuite on pourra prendre une petite batte de baseball. Ça c'est encore ma moto. Attends, comment ça... Attends, wow. Eh bah attends, je bouffe. Non mais j'ai eu un truc bizarre, mais... Tu t'as fait Dorothy? Ouais, Dorothy, ouais, je sais pas ce que c'était. Ouais, c'était bizarre aussi, ouais, j'ai pas compris du tout. Oh putain, j'ai encore soif, mais c'est pas possible. Non mais cette belle gueule, il fait très très chaud. La bière, ça ça réhydrate, j'espère. Non, je crois pas. Putain. Bah je vais prendre à boire. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Je crois qu'il va mourir. On allait où là du coup? Acheter ammunition les radios. Eh ben, on revient de là à la station. Ouais. On était là, bah non. Eh, ouais. Nickel. En fait, je pense que c'est la tête. comment ça? Attends, ils ont échangé leur moto, ouais. Aïe. Pourquoi il est parti? Négociante qu'on est passé devant une armurerie. Oh putain, chier. Je pense à celle-là en fait, je pense pas à l'autre. Bah, vas-y, on va aller à celle-là, ouais, c'est bon. Moi pas être gros capitaine, hein. C'est vrai qu'on a vite pris l'habitude, ouais. C'est vrai. Vas-y, je le ferai, ouais, après, ouais.
C'est ma place. C'est ma place. Mais putain, il y a des sons que j'aime bien là. Ah ouais. Tu peux acheter belle chose ici. J'ai pas de thune. Merde. Attends, je vais dépanner. Attends. J'ai acheté deux radios. Il manque sans deux. Ouais, achète deux radios et fils en bois, s'il te plaît. Ouais. Pourquoi le fusil. Ok, d'accord. T'as 3000 dollars, bizarre, ça fait chier. Ouais. Moi j'ai combien? Attends. Je vais Attends, le vendeur d'âme là, c'est pas putain de fasciste là? Peut-être. Mais bien sûr que c'est un fasciste qui a des guns, donc. C'est quoi là, ces patchs, mon vieux? Et il a craqué. C'est bon, je te dis. C'est bon, ouais, merci. C'est ouais. Bien faire un tour derrière la ruelle là. Je t'explique la vie. Hein? Agnès, ça peut être ça pour. Espèce de vieux con, là. C'est là où il change Ixon Karash. Ouais, ben, il y a une ancienne ville, j'aurais pensé que oui. Eh, j'ai pensé. C'est que j'ai deux chiffres qu'on peut mettre? Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression. On peut mettre quoi? On prend quoi comme quel chiffre? Je sais pas. 6. Le 666. Ouais, le 666, vas-y. Trop cramé, le 666. Non, on peut mettre plus que. On peut mettre plus. On fait 164, mais sans le 4, 166. Ouais, nickel, ouais. 166, ok. Attends, mais tu peux pas. Non, mais on peut mettre 3 chiffres. Mais on peut le faire qu'avec les flèches là, on peut pas changer un chiffre directement. Ah si. Bah si, si. Si, tu peux. Par contre, je vois pas comment tu fais pour l'allumer. C'est, il faut que tu fasses call. Non? Attends. Moi ça fonctionne cette Je crois qu'en fait tu mets le chiffre, c'est bon. Ah ouais? Vous êtes sur la 166 là? Ouais. Ouais non mais je sais même pas comment l'unité radio. J'entends? Ouais je t'entends, tu m'entends? Pas rien. Et si c'est bon. Et là tu m'entends? Ça marche. Je t'entends loin, ouais. Bah moi faut que je regarde plus mes Non là on m'entend ou on m'entend pas là? T'entends. Je vais regarder si je peux monter parce que autant avant j'entendais pas bien. Mais là. Ouais. Moi j'ai pas réussi à modifier le son. J'ai regardé tout à l'heure. Attends, faut que je regarde juste un petit truc. Ouais, vas-y. Non. Et c'est ça qu'il me faut, les gars, là. Il me faut un flingue comme ça, là. Ouais. C'est de la voir. Comme ça dans les manifs, je tire dans la foule là, j'en coupe 4 d'un coup. Putain de fille. J'ai mis ça, j'ai plus. Ok, mais est-ce qu'on m'a entendu moi? Non, je t'ai pas entendu. Mais comment vous avez allumé... Moi j'ai mis sur plus, c'est moi. J'ai juste mis Chypre. Ok. Je pense qu'en fait, moi c'est déjà paramètre. Ouais, t'as juste à mettre le chiffre. Non, mais je veux dire pour monter et descendre. Ouais. Ah, tu crois qu'il faut Quelqu'un peut parler? Eh bien reçu, ouais. Ouais, ça augmente un peu. Mais ça fait plaisir de pas avoir votre tympan percé. Ouais, je suis pas y touché, j'entends tout le monde bien. Et comment tu montais le volume? Ben moi, de toute façon, je vous entends, c'est vous qui m'entendez pas, je pense. Ben vas-y, parle-toi. À part contre Gunther, peux-tu mettre ton petit numéro dans Anwar? Oui, t'as raison, mais putain. Ce sera plus simple. Tout de suite, là, ce sera fait, ouais. Essaye de parler genre à haute voix en même temps que tu parles radio. Ouais, peut-être. Ouais, essaye les deux, ouais. Tu penses que comme ça fonctionne? Ouais, comme bon. Ça fonctionne, ouais. Ah putain, ben il va changer ça d'abord. Le plat. Soit, option A, on va au Unicorn, vu que ça a été ouvert, on va essayer de faire des contacts là-bas. Soit on va demander où est l'SPD, où est-ce qu'on doit pas trader pour surtout pas avoir affaire à de la drogue, ouais.
La deuxième option me plaît. Ouais. Ouais. Surtout que c'est juste à côté, au pire on ira au unicorn après. Ouais. Plus tu vois. Oui. Ouais, c'est bon, t'entends. Ouais, nickel, ouais. Ok, mais c'est bizarre, il faut peser sur le bouton de la radio. PDM, c'est quoi? Premium Deluxe Motorsport, ouais, c'est écrit, ouais. Ah, d'accord. Pour les trucs de bourge encore, c'est... Ah oui, mais c'est que moi, je sais pas tourner, tu sais. Ouais. Ouais, mais Nathan, tu peux répéter, j'ai juste dans ma tête, j'ai pas trop entendu. De quoi t'as pas entendu? Mais j'ai pas trop entendu, c'était là. Globalement, le... Putain, on a encore perdu Barbie. Barbie, tu parles quoi, putain? C'est lui qui est en train de tirer, là. Qu'est-ce qui se passe? Barbie! Tu brûles. Et une seconde, j'ai fini, j'ai ton numéro, là, sur la nuit. Ah, grâce à... merci. Pas si c'est pas grave. Tu fais des efforts pour parler espagnol, si c'est bon. Ça. Aïe. J'essaie de me mettre à troisième langue. Vamos à la playa, Ah, ça, j'ai pas compris par contre. Ouais. C'est quoi, viens danser le tango? Mais c'est comme moi, tantôt, j'ai appelé quelqu'un senior, je sais pas pourquoi. Mais... ouais, ça s'appelle pas senior? C'est pas. Bah, ça, c'est bizarre, pas. Ouais. Si ça s'appelle senior, ça va, mais si ça s'appelle pas senior, c'est vrai que appeler quelqu'un qui est pas compliqué. Mais nickel, hop, allez, on peut y aller. Yes. Allez, les armes, bon. Je vais toujours le plan, Nathan. Le plan, ça va au Comico et on va dire bonjour. Nous sommes très bons élèves de la anticapitaliste. Nous ne voulons pas acheter de la drogue, surtout dit tout, faut pas qu'on aille. Ouais. Je te laisse les bullshiter, Adia. Allez. Allez. Bah suivez-moi, on va commencer à prendre les bonnes habitudes, ouais. Et à gauche. Non, mais capitaine qui arrive pas à monter sur ta... Comment ça, capitaine? Ben Gunther, là. On est encore au machin. T'as ma bécane, Nathan. Je crois que ma moto elle est en train de mourir. Mais je crois que t'as la plus mauvaise moto. T'as la moto de Gunther. Ah ouais? Non, ouais, je pense pas. Que... Mais vous revenez nous voir ou vous nous laissez tout seul? La rinac. Ah ok, c'est plus droit. Vraiment, ta bécane. Vraiment qu'on aille faire petite custo pour arriver à retrouver qu'elle est là. Je suis coincé. C'est fermé. Tiens. Merci, ouais. Allez, on me suit, ouais. On suit, ouais. Putain, j'ai du mal avec la voix là. Pas le genre d'endroit. Ouais, c'est de la merde. Ça, c'est le genre d'endroit qui pue, rempli de fâches de merde, ouais. Salut, ouais. Adieu. Ils sont aussi riants que contrairement, ouais. Hey. Non, je sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais apparemment, c'est pas la funky town, hein. Alors, à qui je parle? Ashley, bonjour, Ashley. Non, je vais pas avoir mes contre-inventions, je n'ai pas encore. Je crois pas. Ok.
Ok, pas de soucis. Mais je m'en fous les factures. Eh, écoute, c'est pas la faute d'être sonné à l'extérieur, là, y'a un truc. Putain, on peut pas appeler les flics. Étrange. Eh, c'est bon, j'ai sonné. Ah. Non, mais y'a, regarde qu'ils sont par terre. Putain. Mais ça, c'est un signe gouvernement corrompu. C'est dommage que j'ai pas envie de chier, hein, parce que bon. Qu'est-ce qu'on a dit sur la propreté quand même? On n'a rien dit encore. C'est vrai, on n'a rien dit, donc tu peux te faire plaisir. Mission Roof a chopé des pertes de l'eau. Ouh là 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 là, il y a du monde. Wow. Putain, ça fait des tubes. Mais ta mic, putain. Juliette, monsieur. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est pas lui, il a crise cardiaque apparemment. Ouais. D'accord. Sinon, ça va. Lui, il voulait inspecter son fromage, mais bon, c'est pas pour ça qu'on est ici. Là, vous sortez d'un after. Un after? C'est le début de journée là. Ouais, mais je vais se réveiller. Hey, tout frais. Ok, ouais. Ok, il y a tout frais, d'accord. L'odeur c'est normal. Ça c'est odeur de début de journée. Hey. Ah ok. Mais, oui. Bah, oui. Le petit fumeur racrevé, c'est normal. Oui, bonjour. Officier. Oui. Nous être arrivés en ville très récemment et d'accord. Donc nous voudrions l'enseignement, c'est possible? Bien sûr. Apparemment, il y a, comment dirais-je, des problèmes de incivilité, des gens pas très gentils en ville, et apparemment, il y a des endroits où il ne faut pas trop aller parce qu'il y aurait de la vente de drogue, il y aurait des choses comme ça, donc c'est par où qu'il faut surtout parler. Ouais. Ouais. Ah, les endroits assez réputés, bah écoutez, faites attention au niveau de Forum Drive. On sait là-bas qu'il y a des familles, bon, il ne faut pas stigmatiser, mettre tout le monde dans le même panier, mais bon. On a souvent des retours au niveau de Forum Drive, de Carson Avenue, mais sinon, le reste, généralement, ça se passe très bien. Nous sommes sur les lieux, on s'occupe de tout. Ok. Pourquoi vous habitez là-bas, Forum Drive? Ah non, non, du tout, mais on a souvent des appels de ce côté-là. Ah d'accord, je viens de comprendre. Les gens qui se plaignent parce qu'il y a des odeurs, c'est ça? C'est un petit peu, voilà, c'est l'endroit précaire... Attention, odeur de shit, hein, je parle. Hein, il y a plus grave, j'ai, pendant deux secondes, j'ai cru comprendre que vous disiez une réflexion fasciste. Ouais, ah non, du tout, mais bon, moi je vous préviens, allez pas traîner là-bas le soir. Eh? Et pour ça, des recensements de raquettes de ce côté-là. Bah, vous pouvez savoir où est-ce que vous... Non, 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 des capitalistes, oubliés. Bon, ben, les ordres de drogue. Ah, vous êtes anarchiste? Ah non, des capitalistes. Ah oui, vive le capitalisme. Non, je peux pas le dire quand même. Ouais, vive le capitalisme. Ouais, non, dis pas ça dans ta bouche, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever. C'est le capitalisme là, c'est l'aigle, le Big Mac, tout ce que vous voulez. Donc, où il y a du pétrole, on apporte de la liberté, d'accord? Je vais te crever, ouais. Pourquoi il y a du pétrole? Il y a du pétrole? Quoi? Il y a du pétrole? Mais non, mais j'en ai peut-être sur la face. Ouais. Sur l'île, y'a pas pétrole, si y'a pétrole. Des pétroles. Pétrole. Ok, ça va. Non, c'est pas si y'a pétrole. Mais c'est qui pétrole? Sinon, on envoie l'armée. Hein. non, mais voilà, faites attention au niveau de la c'est fasciste, attention. Envoyer l'armée pour pétrole, c'est fasciste. Non, c'est. On envoie de la démocratie, madame. Rien de plus. T'as la gueule de ta démocratie, ouais. Putain, mais démocratie, mais type communiste ou type... Démocratie d'ici, c'est la démocratie connard, mais c'est la démocratie capitaliste. Ouais. Oh, ouais, ça n'a jamais servi à personne, monsieur, la démocratie. On est le premier pays au monde. Qu'est-ce qu'il a, le facho de flic, ouais? Qu'est-ce qu'il je vous ai pas manqué de respect, ne faites pas ça. C'est super facho, là, ce que vous faites. Attendez, vous venez, vous me demandez des renseignements, je vous renseigne, et vous m'insultez de facho à la fin, mais c'est... C'est toi, là, à parler des minorités et tout, là. Et c'est ça. Bah, c'est des faits, je parle pas de minorité, je vous dis juste que du côté de Forum Drive, le soir, vaut mieux ne pas traîner. Vous me demandez où est-ce que ça craint, je vous réponds. Non, mais c'est surtout où se vend de la drogue, parce qu'on aimerait pas du tout acheter de la drogue, ouais. Oh, c'est pas notre style, hein. Ouais, faut juste aller surtout non, pas non, à des endroits où ça vend de la drogue, ouais. Nous, on se voit, nous sommes très frais. J'avais compris. Bah écoutez, c'est pas avec moi que vous aurez une réponse. Et ouais, pas, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de drogue dans cette ville, ok? On arrête tout le monde. Quoi, il n'y a pas de drogue? Ah non, pas avec nous. Pas de drogue naturelle, il n'y a pas weed, il n'y a pas cocaïne.
Merde, c'est alors. Illégal ça, madame. C'est illégal ça, madame. La... Ouais, justement, c'est un merde. Ah, merde. Ah, mais quelle joie de savoir qu'il n'y a pas ouais. de drogue. Heureusement, il n'y a pas de drogue. Ouais. Ah, mais vous voyez. Ah, oui. Pendant qu'on y est, la petite question. Qu'est-ce que c'est chouette. Ouais, le casque obligatoire ou pas? Le quoi, le casque? Ouais, le casque obligatoire. De moto? Ah, bah oui. Eh, je vous le dis d'avance, je préfère vous le dire. La casquette, elle restera sur mon casque à moi. Ah, ben monsieur, craquez, vous avez contre-rationné. Eh, ouais. Et puis là, on a un problème de craquage. Ouais, comment il fait, lui? Bah, il faut mettre un petit peu moins de gel, peut-être. C'est pas du gel, c'est de la bière et de la farine, ouais. La bière, du sperme aussi, mais moi, ça me préfère éviter le goût. Ouais, des fois, Ah oui, c'est ça l'odeur, du coup. Ah ouais, bah ouais, quand c'est plus bière... Il a dit qu'on puait, là, j'ai reconnu, il a dit dès qu'on est arrivé, il a pas été... C'est pas vrai. Vous voulez peut-être demander au procureur directement, où est-ce que ça se trouve, tout ça? Pourquoi, il est visible? Il est là. Attendez ici. Ah bah nickel. Ouais. Attends, pas il va pouvoir nous rencarder sur belle chose. Ah ouais, là où il faut surtout pas. Super performant, on a instauré notre doctrine le premier jour. Contre le procureur. Je vous préviens, j'ai une bombe sur moi. Laissez-moi parler là, comme ça. Là, je peux négocier. Vas-y. Par contre, demande-lui c'est qui pétrole. Parce que j'ai pas trop compris c'était qui pétrole. Moi aussi, j'ai pas compris c'était qui pétrole. Vous êtes trop cons, c'est là où c'est le pétrole, c'est pour avoir de l'argent. Ils vont faire un capitaliste, ils voient du pétrole, ils font la guerre pour gagner de l'argent. Allez, enculés. Mais oui, vous avez pas. Alors, écoutez, on est des fachos, mais juste pour avoir les poids de drogue. Ok, donc faut dire qu'on aime l'essence. On aime Big Mac, on aime les États-Unis de merde. J'ai l'impression d'être souillé. Ouais. Ouais. On aime les hot dogs. Les hot dogs. Ok. Les hot dogs. Pourquoi il y a petit chien qui fait des sables dehors? Et on aime le drapeau américain. Oui. Oui. Ah bah ça c'est pas le problème. Drapeau et drapeau. Ouais, drapeau. Ouais. Vas-y, je t'ouvre. Putain. Salut toi. Waouh, vous avez un look d'enfer. Je vous présente mon chien. Il s'appelle Noopy. Ouais, salut, ouais. Mais ça se mange, mais c'est pas ça se mange ou... Et non, ça se mange pas du tout. Ah. C'est pas un nom de lapin, ça, Noopy? J'ai la dalle. Noopy, non. Ah, moi aussi, j'ai la dalle. Attends, Noopy, Noopy, pas encore. Comment ça, il a déjà été bouffé? Non, mais à l'hôpital, il voulait en faire une brochette. Mais bien sûr que le capital, il veut toujours bouffer tout ce qu'il y a. Il a les bien dodu, là. Dites, on s'est jamais rencontrés, vous venez d'où? Moi, de Roussie. Reste derrière moi, Noopy, ils vont pas te manger. Mais non, ça va. Pas cette fois. Pas cette fois. Pour te fumer avant. Non, mais pas mentir. Et pourquoi vous êtes habillés tous comme ça? C'est super original comme look. Bah quoi, c'est look punk. Tu connais pas look punk? Non, je connais pas trop. Après, ça vous va bien. Bah oui. Enfin, quelqu'un qui sait apprécier et qui sait donner des compliments. Ouais. Ouais. Bah oui. Moi, je crois que je fais pas autre chose que des compliments, en fait. Tu fais quoi, toi? Vous travaillez où? Moi, je suis barman. Ah bah oui, mais c'est forcément avec des compliments. Tu peux nous donner des bières gratuites? Des bières, non? Pourquoi? Ah putain! C'est quoi, des coupons, c'est ça? Vous avez pas de bière? Des coupons? Est-ce que vous êtes parti vous faire recenser? Attendez, non mais j'ai jamais mis les pieds dans une mairie ou je sais pas quoi, je peux pas. Putain de capitaliste, j'ai pas fait recenser, ouais. Oui. Je vais vous expliquer, vous allez voir, il y a des avantages. Vous allez à la mairie, vous vous faites recenser pour dire j'habite bien ici, tout ça, et après ils vous donnent des coupons pour avoir des repas gratuits. Donc les fondements de dans les fondements de ah oui de, c'est vrai il y a pas de ouais salut allô. Ouais ah, putain désolé comment ça va ouais bonjour c'est à moi, mon chien il s'appelle Noopy. Dites-moi alors nous on aime le capitalisme tout ça et la sécurité. J'adore les Big Mac. Ouais tous les jours. Ouais et on se baigne dans du pétrole le soir. Ouais ah ouais ça marche bien pour lever les taches. On a voté à droite un jour. Ouais, on a tous voté à droite comme tous les agents du LFPD, ouais. On adore alors, ça, ouais. Vous approchez pas trop, vous approchez. Voilà, je tiens à la bouche. Hein. À la gorge, non. Et du coup. On voulait savoir, afin d'être sûr et d'éviter tout problème, où est-ce qu'il y a les points de vente de drogue? Parce qu'en fait, nous, on a peur de la drogue. Et genre, faut vraiment éviter ça. Et voilà. Alors,
Parce que la drogue, c'est mal. Ouais, la drogue, c'est mal, on voudrait non pas. À la drogue. Bah ouais. On a dit non à la drogue. On veut pas de la drogue. Ouais, parce qu'en plus, la drogue, ça pourrit notre belle Amérique. Ouais. Vive l'Amérique. Ouais, vive l'Amérique. Alors, attendez, je vérifie mon petit calepin. Alors, je sais qu'il vous faut éviter la zone Meriwether. Ouais. Merde, c'est pas la, c'est pas les bonnes notes. Attendez, je change. Ouais, Meriwether, c'est pas genre, faut pas éviter dans tous les cas Meriwether. Ah oui, oui, justement, c'est ça, c'est les endroits où vous risquez de mourir si vous y allez. C'est pas le bon truc. Ouais, non, va pas, ça va pas aimer nous. Ah non, non. Si y a des zones satire à vue, on est intéressé aussi, encore plus que la drogue, peut-être. La satire à vue, alors évitez. Ah, je pourrais vous le faire en chanson, ce serait plus simple. Vous voulez faire la chanson des antipoints de drogue et en anti-tire? Ah, quelle idée! J'ai l'impression que c'est de la psychologie inversée, je sais pas pourquoi. Mais quoi, psychologie? Mais pas du tout! On veut vraiment savoir où il y a de la drogue pour l'éviter absolument, ouais, parce qu'on aime pas ça, ouais. Alors, techniquement, de la drogue, il y en a. Attendez, regardez, je vous montre mon petit calepin. Ouais. Je vous dessine la petite carte là. Alors, il y en a là, là. Là. Ah, mais je comprends rien, c'est écrit. Je comprends rien, ton calepin, tu dessines super mal, ouais. On voit juste des pois, c'est un peu nous là. Ouais, des pois sur une. Attendez, je vais redessiner mieux. Est-ce que vous voulez aussi la recette de la cocaïne pour être sûr de pas la faire quand vous cuisinez, pour vraiment l'éviter? Si vraiment, ouais, alors ça, ouais, parce que moi j'ai tendance à cuisiner plein de trucs que je trouve et j'ai vraiment peur. C'est dommage de mélanger du fentanyl avec tout ce qu'il faut. Ouais, mais ça qui est. Ou la fentanyl, oulala, on la connaît pas du tout là. Donc, déjà, c'est pas du fentanyl, les gars. Ouais, voilà. Une fois j'ai sniffé de l'alcool avec du sirop pour la toux sans le vouloir, j'ai plané pendant 3 jours, putain. Alors, franchement, franchement, pas de bol. Vous voulez les endroits où on vend de la drogue ou les endroits où on peut acheter de la drogue? C'est pas pareil, attention. C'est vrai, c'est pas pareil. Déjà, il faut pas acheter la drogue, c'est pas bien. Déjà, ouais, acheter la drogue, c'est pas bien. Il faut la remporter. Non, mais, en fait, il nous faut les endroits où on risque pas d'être démarché. Ouais, voilà, où on veut pas. Parce qu'après, on pourrait risquer de tomber dedans. Et là, ça serait très grave. Là où vous pouvez aller en étant sûr de pas vous faire embêter. Vous avez la belle plage de Vespucci, toute la zone ici du nord, depuis Paleto Bay jusqu'à la pointe de sable, magnifique en cette saison. Vous avez toute cette zone et la plage qui se trouve ici, étant donné que c'est en dessous de Nos, donc c'est pas une bonne idée de venir ici. Si vous voulez vendre de la drogue, c'est le pire endroit. Si personne en plus, personne ne vous en achèterait dans tous les cas. Ça, c'est nul. Ensuite, ici, ça c'est la zone industrielle, là-bas il n'y a pas d'acheteurs. Puis même s'ils achètent, ils sont tous paumés, ils n'ont pas de thunes, alors ils achètent à petit peu. Ah, c'est là où on a un nouveau squat d'ailleurs. Ah bah voilà, bah là vous êtes tranquille si vous squattez là, à part des ouvriers, il n'y a pas grand monde. C'est vrai, ils sont tous un peu con d'ailleurs. Ensuite, ça, cette zone-là, bon c'est tous les beaux quartiers là-bas, vous ne trouverez pas grand-chose. À part cette zone-là, la zone ici, comment il s'appelle ? Ça, Little Seoul, ça. Là, il faut pas aller là-bas. Ah là, c'est là où il y a beaucoup de drogue, là, faut pas y aller absolument. Ouais, ouais, là, il y a beaucoup. Ah mais ça, c'est parce que c'est peut-être un quartier minorité, hein, je pense. Ouais, encore non, dur. C'est pas juste pour ça. Non, mais on respecte les minorités. Mais... Voilà, faut les respecter. Quartier sensible, c'est très important. Ouais. Après, vous voyez, souvent les gens ils veulent aller vendre là-bas parce que ils se disent ils vont rien dire, c'est des petites minorités, ils vont fermer leur gueule. Mais non, justement, les pauvres, faut les aider, faut pas les chasser les gens là-bas. Mademoiselle la procureure, je récolte des dons depuis que je suis arrivé à la ville pour les enfants dans les quartiers défavorisés. Vous auriez pas une petite pièchette à donner? Ouais, pas hésiter à donner. Alors, je fais déjà partie d'une association d'aide aux enfants des rues, mais pourquoi pas une petite pièce, ça peut le faire. Bien sûr. Prends votre petit nom. Attendez, je vais noter mon chiffre. Et petit, attention. Minimum 1000 dollars. Il faudrait... C'est minimum, les dons minimum, c'est... Un million. Des millions. Non, 10 000 dollars. 10 millions. C'est par en rouble, là, je pense. Oui. Là, c'est des roubles, là. C'est pour aider les enfants, mademoiselle. Ils ont très faim. Très faim, bientôt oui, l'hiver. Ben justement, moi, j'ai faim. C'est pour aider les enfants. Tenez, là, je sais pas lequel de vous l'a reçu. Je vous ai donné ça, déjà. Ben là, il manque 2 zéros. Oui, ça va être compliqué. Vous croyez que je me balade avec 1 million liquide? Non, non, pas 1 million. Mais il manque 2 zéros pour... 1000, ouais, effectivement. Ah oui, il manque 2 zéros. Oui. Ça fait beaucoup quand même. Non, au moins un autre 0 s'il vous plaît. J'ai pas sur moi donc. Non, mais c'est pas grave, dis merci à la dame. Ok, mais merci beaucoup. Il y a pas de quoi, monsieur. Voilà, c'est un peu les endroits où il ne faut pas aller et les endroits où vous pouvez aller pour profiter. Ah, et la petite salle de sport à la plage est incroyable. Ah, il peut faire du sport à la plage. Bah oui, il faut s'entretenir. C'est vrai. Ouais, j'adore. C'est important, un corps sain dans un corps sain, je sais pas quoi. Ouais, un corps dans un corps, c'est important. Un corps sain dans un corps sain.
Mais ouais, un esprit dans un corps, c'est déjà bien. Ouais. C'est compliqué, hein. Ah, c'est très compliqué. La vie humaine est un périple sans fin. Bah merci, on va surtout pas aller à Little Seoul du coup pour éviter si on peut cet endroit. Ouais, ouais, vous n'allez pas vendu d'où bien tout, tout hein. Vraiment ouais, pas bien. Jamais alors, de la vie on va à Little Seoul. Pour de la drogue, il faut pas y aller. Après, non, si pour voulez, la drogue. Ils font plein d'autres bonnes choses. C'est vrai, non, ils font du pétrole. Non, ils font pas de pétrole par contre. Non, ça c'est pour nous le pétrole par contre. Ça il faut nous le signaler. Hein. Si vous voyez du pétrole, un gisement, c'est pour nous. D'accord, oui. Pour aider le capitalisme. Ouais. Ah mais c'est pas que je suis capitaliste, déjà oui, mais surtout pour envoyer de la démocratie. Ouais. Ouais, faut appeler la démocratie là où il y a du pétrole, ouais, on adore ça. Exactement. Ouais, j'adore ça. C'est bien connu que la démocratie arrive à coup de pétrole. Hein. Ouais. En tant que bon facho, du coup, on va éviter tout ce qui est Little Seoul pour éviter la drogue et les minorités parce qu'on n'aime pas ça du tout, ouais. Exactement. Ils sont gentils les minorités. Merci et bonne journée, ouais. Et bonne journée. Ah ben, ben ravi de vous avoir. À bientôt. À bientôt. Bisous. Ouais, c'est possible. Bisous. Ouais, pour ouais, bon bon je sais que ces gens-là n'y vont jamais chercher de la drogue. Non, jamais. Les flics ont l'air très bon délire. Bonne soirée. Ah, j'ai cru qu'on en avait oublié. Alors, laquelle est à qui? Faites attention. C'était la plus ici. C'est là? C'était la mienne, c'est là. La mienne est fermée, comme ça on est sûr. Ah ben non. C'est pas la bonne. Mais ce casque est en train de me rendre fou, hein, par contre. Vous voulez aller acheter... Il y a une petite boutique là-bas pour acheter un petit casque. Ouais, vas-y, on fait tiens. Bah ben, la boutique, Hey Nathan, t'as super bien joué ton rôle! Ouais, t'as vu, j'ai fait le capitaliste! T'es là, on voit, tu les as bien étudiés, est-ce que tu les connais par cœur? Hein ouais, j'adore le capitalisme, ouais! Ah, c'est dur! Ce soir, c'est ça c'est tête, je crois. Ouais, il y a des casques. Alors. Il y a tête. Non, il y a des lunettes, des masques. Ouais, c'est beau, ouais. C'est dans de, les une masques, sorte de casquette, crois, ouais. Non, c'est une casquette. C'est les casques, c'est les casques au milieu. Putain, la gueule. Ouais, toi, tu vas en chier. Oh, ouais, c'est foutu. Après, ouais. Ça donne un style, hein. Bah ouais, mais je garde. Attends, je vais me placer un peu plus comme ça parce que je vois rien. Hein. Du coup, vous voulez l'avoir tout le temps sur la tête, c'est ça? Dès que tu montes sur ta moto, vaut mieux, parce que sinon, ça te fout le vieux casque dégueulasse. On dirait que c'est fait incroyable, on dirait que c'est un vrai casque de Spartacus. Ouais, Spartacus. Ouais, bien, je vais prendre ça, ouais. Alors, hop là, 90$, oh putain, j'ai déjà plus de thunes. Attendez, il faut que je vais prendre un masque. T'as pas de l'air. Des masques. Y a quoi comme casque? Et toi, avec, quand tu laisses ta casquette, ça te met un casque? Je sais pas, ouais, même avec la casquette, ouais, ça me met un casque. Ah, bah ça veut dire que c'est pas ça, ça veut dire que c'est un masque qu'il faut prendre. Un casque, non, mais c'est un casque aussi. Ok. Je pense qu'il doit savoir si c'est casque ou pas casque en fait. Est-ce que quelqu'un peut me donner de la thune, s'il vous plaît? T'as besoin de combien? J'ai besoin de 100 balles, ouais. Oh putain, regardez-moi ce casque. Oh, mais attends, mais il faut ça. Et s'il est... Waouh. Attends, j'ai remarqué les 500 balles. Ah merci, ouais. Non, regarde celui-là. Lui, il faut celui-là, Anya. Mais attends, mais c'est où c'est moi, ça marche pas. C'est ça marche pas avec mes cheveux, ça fait chier. Ah. C'est ça que j'ai pris le gros. Oh, le léopard. Le 14 ah, le léopard.
C'est ça, c'est le 14. 74, 60, non, 7-4. J'ai pas vu celui-là par contre. Le 7-14, mais attends, mais. Et moi j'achète celui avec les flammes. Avec les flammes. Avec le tigre. C'est quoi? Lila, là. Ah, j'essaie de le trouver. Tant pis s'il y a les cheveux qui dépassent. Et le masque, il faut. Et franchement, je vais prendre le casque arc-en-ciel en fait. Oh, faites-vous plaisir. Non, casque arc-en-ciel. Casque arc-en-ciel. Wow! Ouais. Regarde, regarde Nathan! Regarde le masque que j'ai, ça va trop bien avec ma tenue! Oh putain! Ouais! C'est bon! Je pense qu'on aurait pu acheter un sac aussi. Eh ben je sais pas, fais comme tu veux. Ah mais du coup tu peux aller appeler celui avec putain, les troupes léopards ou pas? C'est chiant, t'es obligé de le mettre à chaque fois. Je sais plus lequel j'ai pris, ouais. Mais pour le coup, comment tu l'enlèves? Parce que si tu le mets, je vois pas comment tu peux l'enlever. Je t'explique, t'inquiète pas. Mais du coup t'as repris celui avec les motifs léopards ou pas? Oui. Tadam. Ok, j'ai pas compris. Regarde. Lui il est plus joli comme. On va pacifier le bode. C'est incroyable là... comment on ressemble à rien, c'est magnifique. Mais explique-moi Anya comment on les enlève. En fait quand tu es dans tes poches. En fait oui. Je sais pas si tu vois t'as un truc. T'as une espèce de petite flèche. Oui. Tu peux aller gauche ou droite. Tu vas à droite jusqu'à temps de tomber où il y a marqué tête. Oh. Et t'as une petite flèche et tu appuies sur ta petite flèche pour l'enlever. Oh, c'est trop bien. C'est que pour enlever. Ok, merci beaucoup. De rien. Il faut que je remette mon casque par contre. Yep. C'est bon, on est prêt. Maintenant Gunther, bon, vous voulez aller où pour aller? On va chercher petite drogue, non? Bah on va aller à Little Seoul pour voir s'il y a pas de drogue. Après, il disait que Forum Drive sinon, apparemment. Vous êtes là où il y a les gros dealers. Et puis à Forum Drive, j'attends. Je vais lui parler. Bah en fait, le truc, c'est que je me dis, Oh merde, putain, j'ai un cheveu sur l'oc, des fois, je comprends pas pourquoi, ouais. Je me dis, limite, on a que... ils avaient l'air de dire faire un drive, c'est plus un quartier où il faut pas aller. Et tout ce qui est vente et tout ça, ça a l'air de plus se faire côté Little Seoul. Donc je pense qu'il faut aller vers Little Seoul. Hein. Après, ils ont dit plus se rendre. Il y avait la plage aussi. Il y avait la plage à Vespucci, vers là où tu fais du sport. Et les canaux, je crois. Aussi. Mais moi, j'avais compris que petit monsieur de Forum Drive et les Families, apparemment, ils vendaient. Je sais pas. Ouais, mais faire un drive. Ouais, vas-y, on peut essayer. On va essayer plusieurs endroits. T'es pas pressé. Parce que faire un drive, si c'est un quartier, on va pas demander à tout le monde, excuse-moi, est-ce que t'as de la cam, quoi. Ah, c'est ça, c'est un peu con. On peut leur demander s'ils ont du pétrole, par contre. Mais ta gueule avec ton pétrole, ouais. Capitaliste. Vas-y, on te swing, attends. Attends, faut que je boive d'abord, parce que là, ça devient la merde. Je sais pas pourquoi depuis que je suis ici j'ai super soif. Ah ouais, c'est vrai, elle est très sec. Bah, c'est un air capitaliste, c'est un air qui donne soif. On t'a dit le Séoul ou pas du coup? Allez. Et on va à droite. Droite. Et on va à gauche. On n'est pas des fachos. Ouais. Et on fait 3 fois à gauche. J'ai perdu tout le monde. Et à gauche.
toujours aller à gauche. Mais à droite. De temps en temps, on peut aller à droite pour se souvenir que quand même ça existe. Ouais, c'est ça, ouais. Tu prends à boire? Bah, je sais pas, Je me demandais, tiens, qu'est-ce qu'ils avaient? Ah, des petites clopes, tiens. J'ai envie de claquer les 500 dollars en billet de loterie, ouais. Ah, tu fais ce que tu veux avec l'argent, de toute façon. On t'a entendu, on aurait reçu, ouais. Ouais, mais. On est d'accord que par contre, t'es obligé d'appuyer sur les deux boutons. Ouais, c'est vraiment chiant. Oui, c'est vraiment chiant. Ah, ça, c'est vraiment chiant, ouais. Ah, ouais, ça, c'est dégueulasse. Comment ça, appuyer sur deux boutons en même temps? Eh ben, si t'appuies sur juste le bouton de la radio, bah, tu parles pas. Ah, oui, mais moi, j'ai l'habitude de toujours appuyer sur autre bouton. Ah, ouais, moi, je suis pas là. Ah, non, moi, j'ai jamais eu l'habitude non plus. Ah, du coup, on se met dans les. Ici et on cherche? Bah, ouais. Ouais, je pense, ouais. Oh non! Courez! La police! Non, on n'a rien fait. Même pas balancer poubelle en feu, c'est rien. Mais qu'est-ce qu'on cherche là? On cherche des gens qui sont en train de vendre drogue. On ne devrait pas former deux équipes, une équipe qui cherche ici, puis une équipe qui cherche ailleurs. Moi, si tu veux, moi j'irais bien planter salle de sport de la plage. En vrai, on a regardé, il y a personne, on peut aller voir. Hein. Agnosi! J'ai envie de voir ce que la gueule cette salle de sport. Putain, je suis garé où? Bien sûr, c'est pas la mienne. Ah. Excuse-moi, Gunther, est-ce que t'aurais. Non, c'est la mienne ou c'est pas la mienne? C'est la mienne. Qu'est-ce que tu dis, Adia? Je disais qu'il faut absolument qu'on aille mettre quoi de couleur sur les motos, sinon on va vraiment se garer. Ouais, à droite, je crois. Mais viens d'entendre te donner des calls radio quand on est passé dans la rue là-bas. Eh, hey, mais laissez pas tout seul quand je suis devant, hein. Moi, je vous ai perdu de vue. Bah, t'es où, hein? Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous braque ou quoi? 8222. Mais non, braque, là. Mais le type là-bas, il y a une voiture de flic et il braque. Mais j'ai entendu des gens qui collent des radios, moi aussi. Ouais, mais je sais pas, ils nous regardent des bizarres. C'est bon, je vous vois. Non, mais c'est une voiture de police, là, elle est là, derrière. Elle court après quelqu'un, je pense. Oui, bon, c'est bête. Oui. Tu arrives un peu avant nous. Là, j'ai très envie d'aller casser les couilles à Oli Speedy en vrai. Bah, regarde, ils arrivent. Monsieur, on circule, s'il vous plaît. Monsieur, dame. Vous êtes prêts juste de circuler la zone actuellement, c'est une zone à risque. Je vous prie. Mon gars, il se baisse. Vous avez pas besoin de savoir. Vous êtes juste prié de circuler de cette zone. Si 19 vous voulez pas prendre de balles perdues.
Ah, ça j'aime pas trop. Ouais, pas ouais, trop ouais, ouais. Ouais. Bah, remontez dans, sur vos bacanes, messieurs. Bah, du coup, non, on va au Unicorn, c'est bien faire outdrive. Bah, ouais, bien faire ça. En plus, dans les boîtes de strip, il y a toujours des trucs avec des mecs qui prennent de la cab ou je sais pas quoi, ouais. Ouais, c'est pas un truc comme quoi ils sniquent la coupe sur le cul des putes ou je sais pas quoi, là. Ouais, un truc comme ça, ouais. Je crois qu'ils auront pissé, la pute. C'est pas très respectueux, les pisses des putes, ouais. J'ai rien contre les pisses de pute, moi. Je demandais juste s'il y avait petite piscine pour les putes. Ah, pardon, ouais. Non, sérieux, ouais, ouais. Ouais, ça va. C'est quoi ça te voit ? À droite. Là, j'ai eu peur. Et encore à droite. Et ensuite à gauche. Je trouvais petit cerf pour dire droite quand on tourne. De quoi ? Il faut trouver un terme pour pas dire droite quand on tourne. Côté facho, ouais. Demain, on peut pas être facho. Gauche barre. Ah non, bah dans gauche. Allez. Il y a une voiture dégueulasse comme le capitaine qui est là. Putain, je t'ai déjà dit de pas me plaire de capitaine. Appelle-moi Barbie, putain. Oula, et tu... Oh, toi, tu... Putain, dégage. Mais non, c'est même pas vrai, c'est toi qui racontes des matins. Non, il est un peu réaliste, quand même. Mais oui, je suis un peu réaliste. J'espère que c'est ouvert. Je sais pas, on a dit... ouais, venez... Y a plein de trucs... Ouais. J'espère qu'il y a des nichons. Ouais, c'est clair, ouais. Bah ben voilà. C'est fermé. C'est quoi ça? On peut sonner. Faut peut-être sonner, hein. C'est peut-être fermé exprès. Hein. Ah ouais. Oh, c'est très étrange. Oui. Ouais, attends deux secondes, voir si quelqu'un vient là. Ouais, c'est ça, ouais. Je pensais vraiment qu'elle allait donner 10 000 bars la procureure. Et t'as donné combien? 100$. 100$. Nessa était plus généreuse que la procureure. Oh la rendeuse, la radie. Ouais. Putain. Par contre, toi, avoir petite pause comme si tu travaillais chez les flics, t'en indiques ou quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as une pause de flic, ouais. Oh, t'as une pause de flic. Mais la ceinture que j'ai à mon pèse, la ceinture, elle est lourde. T'as tiré un petit ouais. peu, non? Ok, j'arrête. Toi, si tu veux rejoindre le MC, je sais pas si tu vas être encore, si tu vas être prospect ou si tu vas être membre, toi. Mais pourquoi pas? Pourquoi tu serais pas prospect? Je serais pas camarade. Mais je sais pas, camarade. Je sais pas, je rejoins le MC, moi. Ouais. Alors, il faut bien te garer. J'ai ce qu'il faut dans le... Ok, mais j'ai ce qu'il faut dans le ventre, hein. C'est-à-dire? Ton père, il t'a expliqué un peu les règles des MC, tout ça, ouais, ou tu connais rien oui. du tout, ouais. Oui, il m'a expliqué. C'est surtout Elsa qui m'a expliqué. Ok. Ok. Bah, là, il y a personne qui vient, là. Ouais, c'est rien, on va se casser, ouais. Ouais, il y aura personne. Moi, je dirais, aller peut-être au Londres, c'est à côté. Bah, vas-y, je te laisse nous montrer, ouais. Mais si, attendez, je vous propose un truc si vous voulez, en tant que. Pas en tant que rien du tout. Ouais. J'allais dire de la merde. Ouais. En tant que mec qui me prend des risques, moi ça me dérange. En tant que capitaine. Ouais, en tant que capitaine si tu veux. Je. Prends la mécane, je passe au milieu de Forum Drive. Vraiment, je rentre dedans et je fais oups, j'arrive pas. C'est comme tu veux, moi sinon j'aurais juste mis. Juste à côté. Attendre à regarder et à faire bonjour. On est là. Bah, on peut faire ça, ouais.
Okay, et puis si marche. Au bout de 5 minutes il n'y a personne, et ben là on tente ton truc. Allez, ça marche. Allez. Allez. Vas-y. Et je me connais, j'ai pas une balle perdue encore. Toute ma vie. Ah non, regarde tout à l'heure, ils nous ont dit dégager avant d'en prendre une, c'était sympa, non? Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir connu ces fâcheux connards, quand même, c'est des connards, même. Bientôt tu vas te prendre une flashball perdu, ouais. Allez. Ouais, c'est ça. Vas-y Aya, je te laisse passer devant, là. Ouais, juste à côté. Passez dire à la radio si tu vas à droite ou à gauche, ouais. Non, là, on va se mettre là et on va attendre. Je sais pas où est-ce qu'ils traînent, par contre. Je sais qu'il y a skatepark, je sais qu'il y a beaucoup d'endroits dans Forum. Ouais, ouais, c'est vague, hein. Il y a un petit... Et si on essaie de chercher des voitures de couleur, genre avec des types à bouche. Bah non, il y en a plein des voitures vertes. Ouais, putain, c'est vrai. Il y a un petit skatepark, juste à gauche, là-bas. Et après, je sais pas. Mais moi, je vois aucun écriteau non plus. Y'a rien d'écrit. Bah ben ouais. Ah, mais c'est marqué. Okay, c'est marqué, c'est le nom de la rue en fait. Non, mais je veux dire, y'a pas de graffiti. Ah oui. Bah, ça, peut-être qu'ici, ils ont pas trouvé les bombes. Bon, je pense que sinon, on va faire le tour des discothèques et on voit. Moi, j'irais bien juste un tout petit peu plus loin là. Vas-y, on va tourner, on va voir. Hein. Ça a l'air vide. Ça avait l'air beaucoup plus animé sur la plage. Clairement. À droite. Il n'y a personne ici. En vrai, c'est de la merde, Forum Drive. Ah, tu sais, ils sont peut-être partis faire autre chose, hein. C'est peut-être juste aussi les flics pleins de préjugés parce que c'est des putains de fachos, hein. Mais... Alors, désolé, je me sentais mal. Je sais pas où aller, là, du coup. Vous voulez aller au Club Asgard, il y avait du monde tout à l'heure. Ouais, mais il a fermé. Ah, merde. Il y a le Bahamas, on peut tenter. Quoi? Le Bahamas? Je sais pas, ouais. Non? Ouais, Bahamas. Pourquoi pas? On va voir, hein. Allez. Allons dessus. Gauche barre. Gauche. Gauche barre. Attends, on galère à trouver des contacts là. On va à gauche. On a un hélicoptère au-dessus de nous autres. Attendez, j'ai une idée.
Eh, venez, je crée un compte Twitter, Misfit Brother, et je fais, c'est où qu'on peut trouver de la cam dans cette putain de ville, ouais. Ouais, ouais, ça peut marcher, hein. Ouais, ça peut marcher. Mets les pieds dans le plat, là. Mets les pieds, ouais, au bout d'un moment, hein, on n'est pas là non plus pour enfiler la perle, je sais pas. Misfit, c'est M-I-S, F-I-T. F-I-T. Pas, non, pas deux, pas deux O, sinon ça fait les pieds. Non, mais y a pas de E, quoi, ouais. Non. Mais je vais aller voir l'internet s'il n'y a pas quelqu'un. Il avait cru. Il avait cru. On est passé à deux données se promener là. Ouais. Mais si le browser, c'est. Si entre. En mot de passe, je vais mettre. Du coup, mais si le browser, je peux pas faire plus que le point. Ah bah attends, sinon je vais faire point E. Si, sinon tu fais Misfit Bro. Attends, voilà. Et en mot de passe, je mets 130. Y'a personne, c'est qui y'a pas d'employé, pas qui répond deux. À la porte. 1, 3, 1, 2, ouais. Ouais, y'a déjà c'est quelqu'un qui a mis à jour, je sais pas combien, 5 cocaïne, mais je suis proche du suicide. Ouais, non, y'a personne qui répond, faut qu'il y a personne. Vous êtes tous devenus. Ouais! Voilà. Ah, c'est ça! C'est un mauvais jeu de mouche, j'ai la bouche pleine! Ah, t'as du chiche! T'as du chiche dans la bouche! Ouais, non, mais parce que j'ai mal à une dent, c'est temps que ça passe! Amen! Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Faut prendre de l'agneau! Vodka! Ah ouais! Ça purifie beaucoup la gorge, ouais, mon papa te disait. Un, parce que ça va te torcher la gueule, et deux, parce que ça va te tuer la dent! Attendez, j'ai copié-collé mon numéro de téléphone, ça sera plus simple. Ouais, bah, je fais ça. Mais tu leur dis pas, on cherche des bonbons, tu leur dis, ouais, cherche du pétrole. Mais putain, mais faut que t'arrêtes avec ton pétrole, petit Paul de merde, là. Vous n'êtes pas capitaliste. Non, je sais, mais ça va faire rire, tu t'as l'air. J'avais bien envie de le manger, hein, son petit chien par contre. Noupi, Choupi ou. Ouais, Choupi, merde. Pour moi, Noupi, c'est non lapin. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ou c'est le nom d'un escargot, le ver de terre. C'est pas vraiment un nom de. De chien. Non, vraiment, ouais. C'est un petit lapin. Eh, ouais, on peut aller se le recenser au bois, au gouvernement pour avoir à manger, ouais. Mais après, on ouais. Est rentré dans leur liste, attention. C'est ah capitaliste, ouais, hein. Ah ouais, non, putain, ouais, c'est vrai. Après. On retourne sur la plage. On retourne sur la plage, ça doit être dégagé maintenant. Là, je bois de l'eau, ouais. Après, ils avaient dit aussi Cano Vespucci. Bah, on va traîner au Cano de Vespucci et après, on va à la plage. Allez. T'en es marre de ce casque motocross? Oui, j'étais. Elle est à droite. À gauche, Marc! Et à gauche! Après, on pourrait peut-être. Ah bah non, demander prix pour changer cours à la moto. Ouais, c'est vrai, ouais. À droite! On peut se séparer ou on reste ensemble? On peut se séparer, on se retrouve sur la route de l'autre côté si jamais.
sortez des canaux. Je crois que l'opération elle est en plein dans les canaux. C'est-à-dire où ça? Je sais pas, mais il y a des mecs qui crient genre ouais, sans les armes, tout ça, là là, ça arrive en telle position et tout. Peut-être pas vous va mourir aujourd'hui, hein? Ouais, ça me semble moyen parce que c'est un être vraiment chaud. Je trouve le petit magasin vêtements juste à côté. Bah, du coup, on est sur Pelobido Avenue. Entre 82-32 et 82-35, ouais. Tu sais à côté. Bah du coup les panneaux c'est là où ça a l'air de chauffer, c'est ça? Mais je pense que j'ai un problème, moi je peux plus, ouais. plus bouger. Par contre, il y a un mec en blanc là-bas, il fait call radio. Je crois qu'il est en train de vendre, juste en face. Face de toi, regarde, monsieur en blanc. Non, il court. Va le voir, ouais. Et si t'arrives, petit Paul. J'arrive. Il y a beaucoup de monde qui court quand même. C'est quoi que c'est? Bah, allez voir avec lui, j'ai petit Paul, ouais. T'es coincé, c'est-à-dire, tu bouges pas? Attends, j'ai pas là. Va voir avec elle, Barbie, ouais. Je fais une petite sieste, j'arrive. Ok, ouais, je reste avec toi, ouais. T'es parti voir quoi? Vous êtes parti voir quoi, du coup, ouais? Je sais pas. Il y a petit monsieur infirmier qui arrive. Essayez de choper le mec là qui avait l'air de vendre de la belle. Tu dors là? Ouais, bonne question, ouais. Bah, si c'est un mec en blanc, je crois que j'en vois un qui est en train de marcher en face. Il y a une espèce de débarquement de policiers ici. Hey, my favorite client finally remembers my number. You bet, buddy. Ça va? Vous êtes où? Dis bon, je suis revenu. Hey, vous m'entendez à la radio ou vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok, ouais. Je viens de tomber sur fasciste. Ok. Ouais, mais reviens parce que apparemment là ils sont en train d'enfumer tout le monde, ça tire dans tous les sens, c'est en train de perquiser de quartier, tout ça, les grosses descentes. Bah, je suis pas au courant de ce qu'ils font, moi. Oui, non, mais je te le dis parce que moi je le sais maintenant. J'ai parlé à un type de chez eux là en rouge. Un type de chez eux, genre. Un facho ou. Bah, si, nous on se barre plage, mais canot c'est pas pareil. Non, j'ai demandé plage, ils veulent pas non plus.
c'est toute la zone apparemment. Mais en fait, machin, il a commencé à s'énerver en me disant, ouais, je vous avais dit à Vespucci. Non, vous avez quitté. Mais c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je suis pas à la plage là. C'est ça, enfin, au bout d'un moment, on est volontiers, mais. Bah oui. C'est même. Et apparemment, ouais, il faut une perquise et j'ai parlé aux types qu'ils avaient dans leur bagnole. Et en fait, il m'expliquait que ouais, ils sont en train de faire une descente et il avait des balles dans le corps et tout. Et je lui ai dit, bah c'est con, putain, nous, on nous a dit qu'on pouvait passer dans le coin, peut-être trouver un peu de taf et tout. Il m'a dit, ah ouais, c'est pas le bon moment, les gars. Là. Je pense que celle-là, c'est vraiment. Ils ont peut-être juste à faire, ouais. Ouais. Mais du coup, je lui ai dit, bah le cas s'en repassera. Et il m'a dit, mais ouais, faites ça, vous traînez autour. Et puis, il y a un type. Ah, tiens, t'as encore revenir. Mais ouais, moi je suis tombé sur monsieur Dewa, c'était le gros connard. Hein. Le fasciste. Hein. Bah ouais, ouais, c'est ça. Ok. Bah dit, oui, bah si vous faites fumer et tout, je sais pas, bah tant que protéger le servir ici, ça a ouais. Bien marché. Hein. Ouais, ouais, bah, ouais, bien sûr. Ouais. Protéger le servir, le capitalisme, ouais. Ah oui, ouais, avant tout. De toute façon, moi j'ai fait de la route et tout, là, je voulais faire une petite piste ce soir, moi je vais me coucher. Comme ça, demain je suis en forme. Ça marche, moi aussi, ouais. Je pense que je suis pas tardé. C'est vrai que je viens de voir l'heure, ouais, on va peut-être rentrer au squat, ouais. Oui, ok. Ouais, bah ouais. C'est une première journée, une première bonne journée en ville, moi je trouve. Oui. Franchement, ouais, elle est positive. Hein. Ouais, ouais, je trouve aussi. Ouais. C'est bien. Dites-le si je vous emmerde. Hein. Ça va? Oui, putain, ouais, oui, ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, toi, qu'est-ce qui t'arrive? On va complètement piger sur place. Toi, ça vous est. Ah ouais? Ouais. Ah. Bon. Voilà, alors. Hop. Activité en tout cas ici. Ah c'est bon. Oh putain. Ça va Nathan. Ouais. C'est le capitalisme. Non, je mets en route. Ça t'a donné allergie. Ouais bon on va retourner au squat. Hein. Ouais. Ouais. Allez c'est parti. On est parti, là on est en 81-53 côté du chantier. Ouais, ouais, je viens de penser juste. Merde, il manque quelqu'un là. Ouais, on il manque. Equal. Ouais. Ah putain, et c'est quoi le code de la radio? 166. À côté, ouais.
Tu viens de penser à quoi? Quoi, t'as dit? Ouais. Non mais en fait on va au parking en fait, on va pas directement dans le squat quoi. Ah oui, ce sera plus simple. Bah ouais. Bon, ouais, moi j'allais au squat mais en fait faut aller au parking. Et on ira dormir au squat. Exactement. Si on a pas la flemme de marcher. Ouais. J'ai accroché quelqu'un, je suis désolé mais j'arrive. Il a l'air doué hein. Mais attends, va aller chercher peut-être. Oui, mais non, c'est pas lui en face là-bas. T'es où? Bah je suis devant le concessionnaire. Ok, on arrive. Est-ce que j'aime ce badigé là? C'est fort, on dirait petite mère aussi. Eh, ça frappe tout pile là, ouais. Ouais, t'es bon là. Et à gauche. Là, j'ai été ton petit poids. Et à gauche, Bert. Ce qui est bien avec ce temps là, c'est que tu peux boire bonne vodka. Et c'est vrai, c'est comme un café chaud. Petite couverture de chaussures. Quoi. Aïe, putain. De quoi tu tires? Eh ben, où es-tu? Ah mais non, je t'ai pas roulé dessus moi. Et attendez, là-bas je crois qu'il y a un petit Porsche, on va pouvoir cracher en dessous. Ah nickel. Putain, par contre, voilà, rendez-moi mon chapeau. Ah c'est juste à côté, côté. Bah c'est mon buisson, ouais. Bah bonne nuit, ouais. Bonne nuit. Les bonne bon. Nuit tout le monde. Fin de stream pour moi. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain. Quelques traces de kétamine à côté d'un gros de weed, trempé dans un bol de speed, coupé à la cocaïne, un paquet de cigarettes, du café, de l'alcool et des cachets de Subutex, pas très loin d'un tube de colle. Tout ça, c'est vraiment de la drogue. Tout ça, c'est vraiment de la drogue. Tout ça, c'est vraiment de la drogue. Un petit fixe d'héroïne et puis de la méthadone, deux ou trois amphétamines cachées dans une boule d'opium. Un très
quelques traces de kétamine à côté d'un gros joint de weed, trempé dans un bol de speed, coupé à la cocaïne.